Non, c'est très bien. Ah là là! Bonjour à toutes et tous. Je sais même pas si j'ai bien cadré ma caméra, moi. J'ai lancé à l'arrache, mais alors. C'est n'importe nawak. Comment qu'elle est, ma caméra? Elle a l'air correcte. J'ai bien, elle a l'air. Attends, vas-y voir que je prends. Oui, elle est correcte, elle est bien. Oula. Qui n'arrive pas à... Voilà. À préciser que je suis en... Je sais plus comment on fait. On dit je suis en mode diffusion, je vais dans... Paramètres utilisateurs, je crois. Non. Merde, je sais plus comment on fait. Nitro, ah voilà, c'est ça. Voilà. Là, normalement, je devrais être tranquille un petit moment. Donc, là. Attends. Oui, si je peux décaler vers l'eau. Merci, ou moi je verrai ma bâche. Voilà! Là, il aurait pu y avoir de soucis. Oui, c'est moi! C'est moi qui venais de personnaliser mon avatar au niveau des couleurs de teinture et de fringues. Je suis un cri hommage. Je jette un froid à tous mes ennemis. Ouais. Ah, je pense que je vais me faire une bonne petite heure de Tezo. Après, il n'est pas exclu que je continue un peu de Stardew Valley. Voilà, un samedi douceur, tout doux. J'ai envie de faire aussi la suite de Resident Evil aujourd'hui. Je le ferai plutôt dans l'après-midi. Et puis à 18h, bah, ce sera la nuit de la Saint-Sylvestre qui va démarrer. Je vous réexpliquerai le moment venu. Mais ça, c'est loin 18h, c'est dans 8h, ça va. Faut qu'on savoure notre temps là. 8 sauvegardes. Et... Ah oui, pour un coup, t'as raison. Merci. Ouais, je me suis préparé une cruche de sirop d'amande. A plus, Taïonet, merci. Bonne popote à toi, bonne tarte au citron à toi. Mais non pas bonne tarte aux enceintes. L'horreur. Et je me ferai peut-être du Flat Out 2 en solo. Peut-être, je sais pas, je verrai. Quoi? Comment ça, l'honneur? Oh mon dieu. Oh. Ah oui, j'étais auprès de Giltuslun, qui était un ancien esclave et qui a su, par le travail, s'arracher à sa condition au point d'avoir un petit appart. C'est beau. C'est beau, ce rayon de soleil, c'est beau. Je ne sais même plus ce que je voulais faire. C'est quoi ma quête? Récupérer la pierre de bénédiction. Je vais peut-être regarder ma carte avant. La carte, elle est là. Voilà, là, j'ai retrouvé les réflexes. Alors, retrouver sur les quais de Prout-Prout. Ah non, ça c'est nul, c'est la quête de la confrérie noire. Parler au maître de Prout-Prout. Et du coup, mon objectif, c'est quoi? Ah, je peux zoomer davantage. Oh, c'est beau. Ça me plaît. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Bonjour Bastos.
Oui, alors j'ai hâte de t'accueillir sur Minecraft. Alors pardon, j'espère que tu vas bien. Mais n'hésite pas à décliner ton nom de joueur, tu sais, sous lequel t'apparaît dans Minecraft. Et puis je t'enregistre de suite dans le serveur. Et je te donne les paramètres que tu puisses... Ah, t'as répondu sur le Discord, ok, c'est génial. Alors, minute papillon, les gens. Tuk 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 tuk. Fait exceptionnel. Bastos va avoir la sympathie de nous rejoindre sur le serveur Minecraft. J'ai envie de dire, chèche fête! Bougez pas, ça va être rapide. Tac tac tac. Alors. Puis après, je me lance dans. Ah ouais! Ok. Dak. Ok. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Alors. Puis après, on fait du Tézo Peinard. Enfin, je fais du Tézo Peinard. Ah, il me dit que le joueur n'existe pas dans la liste des joueurs Minecraft à l'international. J'ai merdé une saisie. Attention, on est d'accord, oui, t'as la version Java, hein, Bastos, de Minecraft. T'as la version Java? Attends, j'espère que je vois bien ton... Ah! C'est le... Non, c'est en 8 lettres, le truc. C'est en 8 lettres. Attends, je vais faire un test. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Petit truc technique, je vous mets de la musique en arrière-plan, pardon. Je suis tellement ravi que Bastos nous rejoigne dans le serveur Minecraft que je le fais maintenant. Attendez voir, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Ah! Je crois que j'ai mieux compris. Je crois que j'ai mieux interprété ton... Donc je pense que tu devrais pouvoir te connecter. Attends voir. Bouge pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Attends, faut que je mette sur une page où il ne m'ira rien du tout. Voilà. Il faut que je te donne maintenant les instructions. Alors. On va y arriver. C'est le bordel organisé. J'arrive même plus à retrouver l'adresse IP de mon propre. Oui, non, si, voilà. Alors, Rapidos, Bastos, du coup, t'es eu. Que t'es eu. Alors, ta-ta-la-ta-ta-ta-ta-ta-ta, et je blâme. Attention, alors, faut rétrograder ta version. Il faut celle-là actuellement. Il faut pas la toute dernière version parce que je suis pas à jour. Je verrai ça la semaine prochaine et je vous expliquerai demain lors de mon bilan le comment du pourquoi du bordel. Il faut absolument que tu aies la version 1.20.2. Là aujourd'hui on doit être à la 0.4. Il faut la 0.2 chez moi. Tu te connectes à l'IP que je t'ai donné et normalement tu devrais pouvoir te connecter. S'il y a un souci, tu me réinterpelles s'il te plaît sur mon chat direct de ma chaîne. Merci to playing. Voilà, et normalement ça devrait bien se passer. Je dis bien normalement. D'ailleurs, je vais regarder la console en direct. On sait jamais, je vais regarder l'onglet. Je vais voir si tu arrives à te connecter ou pas. Alors, le chat et on reprend. En attendant. On verra. Tu me diras si t'as un problème de connexion ou pas sur Minecraft. Voilà, je te laisse faire la cuisine de ton côté. Alors, Minecraft, oui, bah pour toi, mais pour moi, tes os. Alors, attends, dilemme divin. Oui, c'est vrai que j'ai la boussole. Le gars, il doit être tout proche. Le gars doit être tout proche. La pierre de bénédiction, elle est pas là. Merde, je me suis planté. Tac. Comment on sait utiliser les tablis d'alchimie? Oula, j'ai plein d'objectifs, mon dieu. Ah, mon dieu!
Attends, c'est quoi ça? C'est un joueur? Ah oui. Je vois des choses. Non, je crois que je vais pas au bon endroit. Ah si, la quête, elle est là-bas. Non, c'est ça, c'est le symbole là, ça correspond. Ah, je m'approche. Récupérer la pierre de Popout. Récupérer la pierre de Benediction. Attends, mon inventaire, il est en... Ah oui, il est en PLS, mon... Ah, j'ai des bananes. J'ai la banane, j'ai la banane. Faut que j'apprenne à faire des plats, je crois. Je dis bien, je crois. Qui c'est qui? Ah, c'est elle qui va me donner la... Elle, oui, je sais pas pourquoi je veux que ce soit un personnage féminin. Ah non, c'est elle, la pierre, voilà, c'est... Oula, attends. Oula, j'accède comment à cet endroit, moi? Il y a un escalier, là? Je veux pas faire de l'escalade. Ouais. Aujourd'hui, je suis paresseux. Ah, voilà. Ah bon? C'est ça? On dirait un compas. Bon, bah, si tu veux. Cette pierre palpite d'une étincelle d'énergie divine de Vivek. Tout prendre. Vous n'avez plus de place dans l'inventaire. Parlez à l'archi-chanoine Tarvus. Ah, t'as jamais joué en multi, Bastos? Merde, je sais plus dans l'interface, alors que j'y joue tous les jours. Il faut faire... serveur, cherche les termes s'il te plaît de multijoueur. Se connecter à un serveur en multi. Et tu dis. Rejoindre un serveur. L'adresse IP, en fait, tu la rentres dans le nom du serveur. Enfin, le nom du serveur. Non, non, l'adresse du serveur, tout simplement. L'adresse IP, tu la rentres dans l'adresse du serveur. Au niveau de l'intitulé. Waouh! Non mais il y en a, faut qu'ils arrêtent de galoper comme des maboules. M'a fait peur, cet idiot. Oh là, puis avec le familier qui détale derrière, c'est n'importe quoi. Alors l'archi chouamen. L'archi chanoine, il est où? Ah merde, il est auprès de Vivek? Ah ouais, il est auprès de Vivek. Ah d'accord, ok. Bon bah... J'ai tout dit, Buffy, on a qu'à y aller. Oh, les bras zéro sont impressionnants. Bonjour, Olive Kitu. J'espère que tu vas bien. Ah, mais arrêtez, ils font peur les gens de courir comme des fous furieux. Est-ce que je cours, moi? Oui, merde. Je pensais que j'étais plus posé que les autres. Eh oh, ça va l'autre, il se la pète. Doucement. Vivek soit loué. Ah oui alors. Et surtout, ferme-moi la porte de, dans la tronche, malpoli. T'aurais pas encore oublié quelque chose? Oh non, merde, c'est pas le bon plan. Merci Olive. Ouais. Je suis incorrigible. Tout va bien. Ah là 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 là. Midoum, midoum, midoum. Attends, du coup, je suis mon vilain. Et c'est génial, j'ai pris mon antenne il y a un quart d'heure, j'ai déjà tout faux. Ah, oh, Basto, j'espère que tu arrives à t'en sortir sur Minecraft. Attends, j'ai pas une fenêtre rapide. Tiens, je vais tricher. Attendez. Attendez, Minecraft, menu, serveur, ouais, je sais pas, nouveau. Attendez, il faut que j'essaye de guider Bastos à se connecter sur notre serveur Minecraft. C'est quoi ça? Ça a l'air d'être pas mal. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, voilà, ça c'est pas mal. Non, merde, qu'est-ce qu'il m'a mis? Il m'a mis un truc en russe, j'en ai rien à péter.
Attendez, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Bastos, je sais pas si tu me regardes. Ah merde, l'image est rikiki. Zoom, 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 zoom. On va zoomer, on va zoomer. Tiens, oula, on est pas trop. Voilà, dommage, c'est pixelisé à donf. Tu vas dans Play Multiplayer, jouer en multijoueur. Jouer à plusieurs dans les menus Bastos. Tu vas faire ajouter un serveur. Add server, c'était en anglais. Ajouter un serveur. Et il va te donner deux champs à remplir. Le nom. Alors le nom, tu peux mettre serveur du sage. Hein. C'est toi, c'est libre de... C'est ton index, ton annuaire. Tu notes ce que tu veux dans le nom de serveur. Ça change rien, c'est pour toi. Par contre, le deuxième champ, ça va être en dessous l'adresse du serveur. Et là, tu mets la série de nombres que je t'ai indiqué, qui est une adresse IP avec le port. Et à partir de là, tu devrais pouvoir te connecter. Voilà, Bastos. J'ai peur de ne pas pouvoir faire mieux pour t'aider. Mais n'hésite pas à me tenir au courant dans le chat de ma chaîne pour me dire si tu t'en sors ou pas. C'est bon, t'as réussi ? Ah, alors attends, je vais peut-être pouvoir te voir en train de te connecter via la console du serveur. J'ai la partie administrateur. Oui, pardon, on revient au jeu dans 2 minutes. C'est comme ça que je m'étais planté. Mais je remets tout de suite l'autre... hein ? Voilà. Histoire que je ne la refasse pas deux fois. Aïe, aïe, aïe. Peut-être qu'il fait les chargements. Attendez, ça se passe bien. Faut juste que je mette la bonne version. Ok. Bon, je vais garder évidemment mon chat de chaîne. Yop, cousin! Bah tu vois, j'ai Bastos qui nous rejoint sur Minecraft.info, cousin. Ça va être cool. Encore un joueur de plus. Ça fait trop plaisir. Ah là là là. Ça me fait bien rire, j'avoue. Ça aide à terminer cette année pourrie de trop. Ouais, ouais, courage, Olive. Bah, si je peux te changer les idées, tant mieux. Ah bah tiens. Alors, je me permets de faire mon auto-promo. Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, s'il y en a qui n'ont pas la chance de réveillonner et que vous avez marre des bêtisiers à la télé, mon ordi va tourner et je vais diffuser pendant 36 heures, presque. Là, ma diffusion Twitch, sachez que je l'arrête demain vers 21h, 22h. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, de 18h à 8, 9h le matin au 1er janvier, c'est-à-dire demain matin, mon ordi va être en mode spécial sur Twitch. J'ai préparé le coup. Je vais vous diffuser 12 heures de promenade en Lorraine inédite, puisque ça correspond aux promenades anonymisées avec ma frangine. Donc vous allez pouvoir vous changer les idées et avoir ma Lorraine natale. Et le bonus va être à minuit, au moment de changement d'année française. Des petites surprises, j'en dis pas trop. Mais il y aura la nouvelle compilation de clips toute fraîche que je vous ai faite il n'y a pas 3 jours, qui dure un peu plus d'une heure. C'est dire à quel point on a vanné. Alors il y a beaucoup avec les copains, hein, Raft et Starbound, mais pas que, pour vous changer les idées et rigoler. Et c'est un bon festival de vannes. Donc voilà, pour ceux qui veulent se changer les idées, je rebondis sur ce que dit Olive. Il y a besoin de se rincer la tête et de refaire le plein de bonne humeur. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à passer me voir régulièrement dans les prochaines heures jusqu'au beau milieu de la nuit. Voilà, voilà. Allez, Zou, on se met dans tes os. L'étranger revient. J'ai cru comprendre que vous aviez rencontré des problèmes au chantier, mais que vous aviez pu sauver quelques ouvriers. Le seigneur Vivek tire toujours la meilleure flèche de son carquois. Que le tribunal soit loué. Avez-vous apporté la pierre de bénédiction ? J'ai la pierre de bénédiction. Tenez-vous-la. En l'absence du chanoine Lévul, vous formerez le troisième angle de notre triangle rituel. Quand vous serez prêt, placez la pierre de bénédiction et nous débuterons le rituel. Et je vais remplacer le chanoine Lévul. Ok. Nous sommes deux vieux. C'est le cercle des vieux.
On se croirait au Sénat. Ça parle mal. Attends, comment... Mais comment qu'il la place? Mais qui y va? Oh... Écoutez les paroles du guerrier poète et révélez la source de la détresse du seigneur Vivek. Oh vache. Ah oui, Vivek participe. Un mage mécanique. Un adepte des Drek. Quoi? Prévu est venu perturber le rituel, Seigneur. Mais nous avons peut-être appris quelque chose. Excusez-moi un instant, pendant que je compare le résultat à nos recherches précédentes. Parlez à Vivek. Oh la vache. Ça va, pas bobo au crâne, pas de migraine? Entre les mises en garde cryptiques de l'esprit ancestral et le résultat inattendu du rituel de divination, je crains que les problèmes ne soient plus nombreux que prévu. Nous ne résoudrons les plus grands mystères que par accident, je pense. Je devrais le noter. Gagner un problème lors du rituel. Avez-vous appris ce que vous espériez? Nous apprenons de tous nos actes. Échec ou succès, d'une manière générale, chaque résultat nous apprend quelque chose. Et pour répondre à votre question, non. Pas autant que j'espérais. Mais il y a eu des images lors du rituel. Des images suggérant des pistes à suivre, des énigmes à résoudre. Laissez-moi vous dire un secret, étranger. Cela concerne un dieu vivant et de l'énergie qui s'évanouit comme la lumière à la tombée du jour. Je ne comprends pas, Seigneur Vivek. Écoutez-moi bien et ne dites pas un mot. Mon énergie divine s'épuise. Qu'il s'agisse d'une maladie ou d'un mal plus infâme, je l'ignore. Vous devez parcourir le pays et chercher des réponses pour moi. Mais avant tout, la gratitude avant le service, comme je l'ai écrit. Alors, soyez remerciés. Waouh, j'accomplis la quête. Mon inventaire est plein. Merde! Faut que je vide mon inventaire d'abord. Bon, ce sera plus tard. Ce sera plus tard. Bastos, fais voir dans mon chat point d'exclamation MAP. Map. Ou quelqu'un peut peut-être le faire pour lui. S'il vous plaît. Point d'exclamation MAP. Voilà, bravo. Déjà, tu vas avoir la représentation de notre monde qui est mis à jour chaque jour dans Minecraft. T'as le choix entre la 3D et la 2D. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Oh la vache, ils ont des armures de verre. C'est trop stylé. C'est beau. Oh là là, la classe. Waouh, ça c'est majestueux. Oh là là, le Vivek en construction. C'est rigolo, pour moi c'est le Morrowind du passé ici. Oui, c'est très bonne réponse, cousin Rio. Ouais. Exactement. Bienvenue dans le cerveau des fous. Bonjour Christella, pardon, je crois que je t'ai même pas dit bonjour. Excuse-moi. Oui, j'espère que tu vas bien. Oui, merci à vous d'être là, décidément, c'est déjà vachement agité. Ah là là, c'est bon, c'est bon. Oula, cette végétation. Oh, on dirait du cuir, le plafond. Ouais, on dirait qu'ils ont mis... Ah ouais, non, mais c'est sûr, c'est même du cuir. Ça, c'est surprenant comme... comme revêtement de plafond. Merde, je suis déroulade sans le vouloir, moi. Coucou. Bonjour, Tunsen. Ouais, coucou du matin. Ah là là là. Couché tard, mais ça va bien. Bon, bah, c'est cool. Ibi. Bon, il me bouffe ce papillon, je sais pas quoi là, cet insecte. Ah merde, il va me dire j'ai pas de place. Ah si. Dans l'inventaire, je les cumule. Ah bah oui, je commence à jouer, que je suis bête. Il faut que je consomme un truc qui me donne un bonus dès le début.
Et puis là, je pourrais aller revoir le seigneur Vivek. Oh, je suis un abruti. Attendez. Un truc qui vide mon inventaire et qui me donne un bonus tout de suite. Je dois avoir. Parchemin de couronne liée. Toutes les sources vont apporter 50% de points d'expérience supplémentaire pendant 2 heures. Alors, je sais pas si je vais jouer 2 heures. Parce que ça ferait du midi et demi. Ouais, après je vais faire la pause déjeuner. Oh, encore que. Allez, soyons fous. Ouais, si, allez, je vais jouer 2 heures. Et puis à midi et demi, 13h, je ferai ma pause déjeuner, vous aurez des clips à gogo. Allez, zou, ça me libère une heure. Hop là. Et puis je vais partir à l'aventure. Régénération de magie. Allez, zou. Allez, ça dans le gosier. Allez, pan, j'ai libéré 2 cases. On retourne voir le seigneur Vivek. J'ai libéré 2 cases dans l'inventaire. Ah, c'est. Tu veux ou tu veux pas? Si tu veux pas, tant pis. Oui, non. Non, j'avais donné une fausse indication à Bastos. Au niveau de Minecraft qui aurait été trop hasardeuse. Je vais plutôt me taire. Et puis c'est pas plus mal que tu découvres par toi-même, Bastos, la carte. Vivek soit loué. Non. Alors on avait des crampes, Vivek. Je t'ai vu replier tes jambes. Quelque chose rampe dans. Oui, alors attends, accomplir la quête. Le rituel a confirmé mes pires craintes. L'énergie divine me quitte sans que je n'en décèle la raison. J'ai senti le pouvoir de ma pierre de bénédiction arrachée dès que vous l'avez ajoutée au rituel. Je n'ai pas pu le retenir. Ah, perdez votre énergie divine, comment est-ce possible? Pour me citer en tant que guerrier poète, nulle serrure n'arrête un voleur déterminé. Remonter la piste de l'énergie qui m'a été prise et tenter de découvrir l'identité de l'ennemi à propos duquel l'ancêtre de Lévul nous a avertis. Vous pensez que votre perte d'énergie est le fait d'un ennemi? Quelque chose me dérobe mon énergie. Allez dans le bureau de l'archichanoine et demandez-lui s'il a tiré quoi que ce soit d'utile lors du rituel. Sinon, ces recherches préalables indiquent de nouvelles voies à explorer. Allez là où il vous envoie et apprenez ce que vous pouvez. Je parlerai à l'archi-chanoine Tarvès. Mon énergie divine s'étiole à chaque instant, mais le rituel a confirmé que mon affliction n'a rien de naturel. Je regrette de n'avoir pas pu vous révéler toute l'étendue du drame avant d'être certain que je pouvais vous faire confiance. Je ne pense pas que l'archi-chanoine Tarvus partage les mêmes sentiments que vous à mon égard. Eh bien oui, l'archi-chanoine Tarvus a toujours été circonspect envers les idées et idéologies ne venant pas du tribunal. Récemment, sa prudence a décuplé. Il reste un serviteur loyal, malgré son étroitesse d'esprit. Alors, que pense le reste du tribunal de tout ceci? Parce que les précédentes questions, on a quasiment eu la réponse. Ils me réprimandent toujours pour mon utilisation visible de mes pouvoirs divins. Cependant, je suis actuellement le seul des dieux vivants dont le pouvoir semble s'affaiblir. Alma Lexia préserve son énergie et s'est barricadée dans son temple pour se protéger des attaques. Quant à Sotacil... Qu'a-t-il concernant Sotacil? Mon frère voyage. Cela fait longtemps que nous n'avons pas entendu parler de lui. Mais je sens qu'il est en sécurité et en pleine possession de ses pouvoirs. C'est amusant.
Il voulait tellement découvrir les limites de notre divinité. Peut-être qu'un jour, je résoudrai ce mystère pour lui. Eh bien. Bon, visiblement, faut que je fasse parler le Seigneur Vivek, donc on y va. Ah, bonjour, Cinéane. Bonjour, arrivants. Vous pensez que l'affliction n'est pas naturelle? Au début, je n'ai presque pas remarqué la perte d'énergie. Mais plus je m'affaiblis, plus je la ressens comme une attaque contre ma personne. De plus, l'ancêtre spirituel a confirmé qu'un ancien ennemi se cache derrière tout cela. Il ne nous reste plus qu'à l'identifier avant... Oui, c'est un cadeau de Nashevman, si je dis pas de bêtises, que je salue, que j'embrasse. Et, bref, comme une bonne partie de ma communauté joue à Tezo, bah, ils m'ont converti, donc de temps en temps j'y joue un peu. Comment ça, Seigneur Vivek? Ah ben? Ne perdons pas de temps à imaginer des scénarios catastrophiques, alors que nous avons tant de problèmes à gérer. Consultez l'archichanoine Tarvus et découvrez la source de cette attaque. Ensuite, nous y mettrons un terme, sans plus nous inquiéter de ce qui pourrait se passer. D'ailleurs, j'ai un doute, je suis même pas à me dire si c'est pas Nayone qui m'a offert Tezo, je sais plus. Enfin bref, j'ai une communauté adorable. C'est eux, je suis gâté. Ça devient gênant et j'expliquerai pourquoi demain. Que voulez-vous dire? Votre énergie divine a diminué, Seigneur Vivek. J'ai toujours utilisé mon pouvoir librement et sans détriment. J'ai créé les pierres de bénédiction, maintenu la petite lune au-dessus de la ville, effectué des centaines de miracles tous les jours pour satisfaire mon peuple. Je commence à me sentir affaibli par une telle utilisation de mes pouvoirs. Vous pensez être en danger? Mon bien-être m'importe peu. Mais pour mon peuple, c'est différent. Sans mon pouvoir pour la maintenir en place, la lune flottante pourrait s'écraser sur la ville et tuer des centaines, voire des milliers d'innocents. Et ce ne serait que le début des désastres pour Vardenfell. Voilà, il y a un mélange de français et d'anglais dans le chat du jeu, c'est... Ou c'est peut-être Torota aussi qui m'a offert... Pour éviter la confusion... Oh, c'est beau, je me souviens pas qu'on voyait si bien en arrière-plan le mont Écarlate, le volcan derrière. Pour éviter la confusion, je dirais la communauté. J'ai pardon, ma mémoire me trahit. C'est peut-être Torota aussi qui m'a offert. C'est... Waouh. Oui, t'as peut-être raison, Christella. Je sais plus, c'est... Bah, j'ai un passif, moi, en tant que joueur perso, je veux dire, hors diffusion et hors multi. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de multi. Des opus 3, 4 et 5 de The Elder Scrolls. Moi, j'étais converti à cet univers par mon ex-beau-frère à l'époque de Morrowind. Et ensuite, j'ai fait Skyrim, et seulement quand, qui est le cinquième, et seulement quand j'ai découvert Skyrim, je me suis intéressé au précédent, le quatrième, qui est... j'allais dire Cyrodiil, n'importe quoi. Merde, le quatrième opus, c'est... Ouah, trou de mémoire, génial. Alors, le troisième, c'est Morrowind. Le cinquième, c'est Skyrim. Et le quatrième, c'est Oblivion. Merci, Bastos. Wouh, dur. J'abuse. Tant que je peux les cumuler. Tout prendre. Alors, j'aime bien, je me barre, mais je me barre n'importe où. Parce qu'en fait, je sais pas où est le... Oh, puis j'ai envie de partir à l'aventure, Medum. Attendez, je vais me téléporter, je crois. Je vais me téléporter. L'aventure, c'est l'aventure. Merde, pourquoi je suis coincé dans cette... dans Vivek? Je peux avoir la carte du monde entier?
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai des points d'exclamation dans l'interface? La 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 la. C'est quoi ça? Main droite, pla pla pla. Bâton du chanoine. Eh bah je vais prendre ça. Caché par une tenue. Oh c'est moche. Eh ben je vais mettre ça. Allez hop. Eh oui, allez, je m'équipe de ça. Et ça c'est quoi? Pourquoi j'ai un point d'exclamation? Ah l'objet est neuf. D'accord. C'est quoi ça? Non c'est le truc afrique. Mais non, mais le Kajito, truc mûche. Cherchez-vous les trésors et la fortune? Ah bon, j'ai le droit d'ouvrir une caisse? Ah, j'ai besoin de 4 espaces d'inventaire supplémentaires. Ah bah on fera appel au Kajit à caisse tout à l'heure. Quand j'aurai un peu vidé mon inventaire. Il faudrait que je fasse de la popote. Comment j'avais fait pour faire de la popote? J'ai plein d'ingrédients de cuisine. J'ai aussi pu. J'étais allé quelque part. Merde, il faut que je reste dans le Vivec en fait, je vais me faire coincer. Il faut que je vide mes poches. Simuche. Ah, peut-être que je fasse jouer aussi mes bonus en allant au combat, mais. Ah, Midoum! C'est quoi ça? Ameublement, peut-être. Ah! Ah, c'est vous que je cherchais. Ok. Madame, il a tué quelqu'un. Salutations. Mon bienfaiteur aimerait vous parler d'une affaire qui pourrait affecter le sort de notre monde. Oh, que veut votre bienfaiteur? Si mon bienfaiteur voulait parler au grand jour, aurait-il envoyé un messager? Cela ne concerne que vous. Où puis-je les trouver? Mon bienfaiteur vous attend dans la maison Paterie, près de la place des artisans. Ne traînez pas. Non mais dis donc, vous avez fini avec vos injections, là? Bon, je prends le temps que je veux. Nah, je vais le chercher. Oh. Ok. Vache. Un jour, je serai au niveau 10 000 et je ferai pareil que la madame. Attends, là je reviens dans le canton machin, mais... Oh, j'ai perdu la logique de... Ah non, je reviens sur le... Ah, Midoum! On s'y perd. Et encore, c'est la version bâtie en cours de construction de Vivec. Donc il n'y a que 3 grands... Alors que dans Morrowind, il y a les 7... avec les égouts en plus. Je vous dis pas comment on s'y perd. Oh, guide de démage, mes copains. Mais ils font pas la popote, mes copains. Moi, il me faut un... Il me faut un truc de popote cuisine. Il faut que j'aille chez les cuistots, je sais pas quoi, les fins gourmets, tous les... La confrérie des toques et des cuillères en bois. Je la trouverai un jour. Ou je la fondrai. Non. C'est stylé. Même au sol, c'est trop stylé. Oh oui, il faut admirer le toit. Quoi? Ah non, c'est pas lui. C'est le gars qui chante, il est en bas. Oula. Oh, il y en a des marchandises ici. Ah, ah, ah. Auberge peut être pas mal. Mobilier de Vivec. Auberge. Attends. Auberge, elle doit avoir une cuisine. Dis-moi qu'elle a une cuisine. Ah, Miss Épinard. Attendez, pardon. Vous avez pas de... Faites pas la popote, là? Pourquoi elle a pas de cuisine? Oula, il y a du monde. Auberge de Vivec. Ah, c'est mon foyer.
Ouais, mais j'ai pas de cuisine dans mon foyer. Ah oui, c'est là où il y avait le magnifique lit en baldaquin, je m'en souviens. Oh, trop beau. Ah, puis je savais plus comment je faire fonctionner le Schmidbeek. Attends, dans le mobilier qui est en face. Le truc de mobilier, attendez. Oh, le Yuski, il est beau comme tout. Attendez, mobilier, mais il va me dire que le truc est hors de prix, que je peux pas m'acheter une cuisine équipée dans mon machin parce que j'ai pas assez de points fidélité ou je sais pas quoi. Ça va, tranquille? Attends. Oh! Oh, mais qu'il est beau! Mais qu'il est beau! Pardon, je saute sur le lit tellement que le chat est beau. Oh! Attends, je peux pas m'accroupir? Merde, je peux changer de quête avec cette flèche sur le mon clavier de jeu. Ah, c'est intéressant ça. Voilà, attends. Ah, la pierre mémoire réelle. Ah bah tiens, je ferai la quête là. Oh, il est trop mignon, il est trop choupignon le chat. Oh la vache. Eh, il est bien modélisé, hein. Il y a le boulot, on dirait un vrai. Oh, trop bien. Oh, petit miaulement. Trop chou. Bon, bref. Je vais pas me laisser attendrir par tous les animaux de compagnie, sinon j'ai pas fini ma journée. Non, mais c'est fou. La richesse de ce jeu, on sait plus où aller, où mettre les yeux, tellement que c'est beau. C'est... Waouh. Il y a trop de trucs. Quoi? Ne lâche pas les verres. Marchand décorateur de succès. Je n'ai aucun succès. Je n'ai que des échecs. Ah, je crois que elle me va. Oh la vache, la fournaise. Ne vous inquiétez pas pour le mont Écarlate. Vivek nous protège toujours. Vous ne regretterez pas vos achats. Oui, ben non, justement, Vivek est menacé, ma grande. Alors, c'est un gros mobilier. Ah ouais, tu m'étonnes que c'est un gros mobilier. Oh la vache. Ah non, il y a des prix raisonnables, je dis des bêtises. Tiens, faut que j'essaye. Corde à linge. Est-ce que je peux avoir un truc à popote? Rocher, table à café gravé. Oh, pas mal. Ah merde, il n'y a rien en... Ah, je peux lui vendre des trucs. Je peux réparer des trucs. Attends, je peux lui vendre tout et n'importe quoi, visiblement. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de meubles faire sa popote, là. Parce que, franchement, ces trucs, c'est bof-bof, quoi. J'aime bien. Champignon bouton puant. Pardon, pour un meuble, j'ai des doutes. Oui, oui, oui. Ah, bonjour Ayrster. J'espère pas que tu vas bien. Alors attendez, je réfléchis. Le boxon dans mon inventaire. Il faut que je me débarrasse de trucs, moi c'est pas possible. Colle de poisson, préparer des boissons. L'arc, de la colle de poisson pour préparer des boissons. Ils ont de drôles de goût. Encore de la saumure. Mais alors de la colle de poisson. Déchets de Zwemer. Une dizaine de ces objets se raffine pour produire une armature de Zwemer. Utile pour fabriquer de l'équipement de Zwemer. Ah bah non, je vais le garder ça. Duramen sert à fabriquer des trucs en bois. Alors épine de dragon, c'est un gros mystère cet ingrédient. Érable poncé. Bouclier vacant à niveau 14. Galon. Augmente la qualité de normal à raffiné. Oh, il y a des trucs. Mais ce jeu est trop complexe. Il est trop riche. J'arrive pas à suivre. Glyphe inférieur. Oh, je vais peut-être vendre mes glyphes, moi, parce que. J'en fais rien, de toute façon, de mes glyphes. Alors. Allez, je vends. Je suis fou. Je sais, mais ça me libère de la place.
Graisse, poison. Non, plus tard la graisse. Grenat, augmente de santé, machin. Oh là là là, c'est juste de fou. Ah la vache, j'en ai 82 des appâts de... Ah, depuis le temps que je dis qu'il faut que j'essaye la pêche. Ah, Ardent, il est quand même niveau 10, c'est fait 1100 de dégâts, je vais le garder celui-là. Pomme de terre. Ah oui, pour faire de la popote, je vais garder la pomme de terre, mince. Créer niveau 1, quoi? Peut être affiné par paquet de 10 en 7 à 10 onces d'étain. Oh là là! Poulet à l'estragon! Ah non, ça, il faut que je le mange avant un combat, mon poulet. Donne faim. Poussière de platine, machin, truc mûche. Il y a du riz, il y a du seigle, il y a du bep. Sérum de santé, du soupe à la tomate, allez, ouais! Ouah, j'ai déjà de la bouffe sur moi, c'est beau. J'ai du thé pour me requinquer. Qu'est-ce que... Ah ouais. Ah, par contre, le bouclier du prophète, il est pas... Il est pas... Ouais, je peux le vendre. Ah oui, maintenant, je peux le vendre. Ah, attends, chaussures, niveau 1, machin, niveau 12. Ah merde, j'ai pas mis les bons équipements, moi. Je vais peut-être me mettre à jour dans mon équipement. Bâton infernal, vulnérable, ardent. Bon, je vais peut-être garder les deux, on sait jamais, mais... comment ça, complexe? Oh là là! Ce jeu va m'en fou. Attendez, j'ai pas la bonne tenue? Armure. Ah oui, il faut que je mette ça. Et visiblement, il faut que je mette ça. D'accord. Ah oui, c'est mieux. Message de Torota 77. Désolé, mais dans Raft, j'ai oublié de faire une blague. Durant l'aventure de Raft... Désolé, Torota, le carillon t'a coupé la chic. T'as le droit de la refaire, la vanne, t'auras une autre voix au hasard. Allez, feu vert. Bonjour Torota, oh, je suis désolé, t'as pas de bol. Ah bah bonjour fiston. Ah oui, bah oui, c'est vrai, c'est bien, t'es en famille pour le 31. Ah là là là. Vous avez besoin de quelque chose pour votre maison? Je suis sûre que je peux vous le fournir. Elle a une voix. Alors attends, faut que je vende mon truc. Alors, armure. Ah oui, non, ça, je vais le garder. Succès des fêtes, je sais pas, je vais regarder, je sais plus. Alors, j'ai pour habitude de ne faire affaire qu'avec les vrais héros. Mais je vous aime bien, alors je vais faire une exception. Pourquoi elle conserve que des cruches, elle? C'est bizarre, sa déco. Ah ouais. Plusieurs totems, des poules de sorcières, cadavres, carnage. Oh la vache! Il y a de ces trucs. Alors lui propose quoi? Je ne peux faire affaire qu'avec des clients riches ou connus. C'est une règle de la guilde. Enfin, vous ferez l'affaire. Étoile cendrée, clôture cendraise. Ah ouais, c'est vraiment des trucs très spéciaux. Et elle aussi, je pense. C'est lorsqu'on commence à se faire un nom que j'interviens. Le vôtre est encore petit, mais je veux bien vous vendre quelque chose.
Ouais, pareil aussi, c'est des trucs de fou. Message de Torota 77. Désolé, mais dans Raft, j'ai oublié de faire une blague. Durant l'aventure de Raft d'hier, nous avons atteint le point G. Car oui, à force de l'avoir suivi Lul, connasse de cloche qui a coupé la lecture. Avec la voix d'Homer, c'est trop bien. Oh mon dieu. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je te l'accorde. Excellent. Ah là 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 là. Madie, madie, chien n'importe quoi. Bon, y'a pas quelqu'un qui a une cuisine et je veux faire ma popote. J'ai plein d'ingrédients pour faire ma popote. Midoum. Canton supérieur de Vivec. Quoi? Ah oui, pour aller au... Oh, bonjour Fanfan. Pour aller au cratère de Caldera. Mais attends, je peux peut-être me téléporter, moi, non? Nous attendons de voir le seigneur Vivec. Vous pensez qu'il y a un problème? Attends, pourquoi il me parle d'une collection? Les exaltés affirment qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, mais je le sens mal. Ah, c'est là. Objet d'ensemble. Zone de pack de jeu. Oui, après. Vanderfield. Vous ne devriez pas vous en faire autant. Tout va bien. Les ordonnateurs sont catégoriques. Oui, alors. Ah, chaussures de la Vierge guerrière. Vous voyez qu'on va assez reconstruit, niveau 13. Deux objets, ajoute 603 chances de critique. Ah ouais. Ah. Donc il faut le truc de la Vierge et le truc de la Vierge. Mais attends, dans mon armure, j'ai quoi? J'ai ça de la Vierge et ça de la Vierge. Ah oui! C'est bien, j'ai fait une correspondance d'éléments de la même armure. Génial, j'ai revêti partiellement l'armure de la Vierge. Génial, ça me fait... Wouh. Oh mon dieu. Oui, alors attends, pourquoi la carte, je peux pas me barrer de Vivec? Je ne comprends plus. Oui, alors, oui, d'accord, la mode de souris, mais... Pourquoi je suis focalisé sur le Vivec, moi? Parler au bienfaiteur et trouver coin sur les quais de la poutre. Et je suis. Ah oui, je suis là. Parler au maître de guerre machin. Ah, attendez, je vais essayer de me barrer de Vivec. Attendez, je suis fou, je vais dans l'eau. Aïe! Comme ça, hop, raccourci vers l'extérieur. Donc je me méfie des eaux, parce que la dernière fois que je voulais me promener dans la flotte, il y avait des piranhas qui m'ont bouffé. On m'avait enseigné que c'était, en fait, on a moins de liberté dans le multi, ce qui est un comble, que dans les solos. Alors, ça c'est l'hôtel de téléportation, l'oratoire. Ah! Et ma quête de prout-prout, elle est où? Salle de fabrication. Quoi? Quoi? Rejoignez l'expédition de Drainfreer dans les salles de fabrication. Mais attends, mais j'avais un truc qui était là. Voilà, allez au cratère de Caldera. Alors, je vais aller à l'oratoire de Balmora. Ouais. Ce qui va me permettre de faire un saut de puce sur la carte. Merci pour le clip, Christella. Et voilà. Oui, pendant que ça charge, donc je fais mon tour promo. Tout à l'heure, enfin ce soir, à partir de 18h, Saint-Sylvestre spécial, je continue à garder mon signal Twitch et je vous diffuse 12 heures de promenade inédite en Lorraine. La nuit complète de la Saint-Sylvestre et du réveillon, là, du jour de l'an. C'est spécial sur ma chaîne. Alors je mettrai pas tout de suite en émoticône, hein. Je mettais à 18h, je vais rester
à discuter potentiellement de micro ouvert et surtout clavarder, à vous répondre à vos interactions dans le chat jusqu'en soirée. Mais me connaissant, vers les 23h, minuit, c'est l'heure à laquelle je me couche, je basculerai en mode émoticône seulement. Et on se retrouvera le lendemain matin Bien le bonjour. Bien le bonjour. Pour les jeux classiques, le bilan, voilà, enfin bref, et puis des jeux en commun. Voilà, voilà. Ah oui, mais je suis pas dans son clan. D'accord. C'est Woodudio. Ah ! Mais pourquoi je sors mon arme ? Je suis fou, je suis en terrain pacifié là. Faut que j'arrête mes âneries. Ah, c'est lui qui peut me vendre des trucs. C'est le magistère, je crois. Ah, un adepte. Ok, pas du tout. Bon, allez. Allez vous faire un papa ou thé. Je peux rien acheter. Maquette. Pourquoi j'ai l'icône de la flèche de quoi? De la guide des guerriers. Ah oui, non. Je vais aller au cratère de... Elle est énorme, cette libellule. La maison Telvanni a encore des esclaves? Comment voulez-vous que ces fainéants de mages accomplissent quoi que ce soit, sinon? Oh, ça parle mal dans le patelin. Je suis même pas sûr d'aller dans la bonne direction. Non mais attendez. Ah si, apparemment je vais dans la bonne direction. Si, si. Je prends le chemin pour me barrer de Balmora, qui est une magnifique ville d'ailleurs. J'aime beaucoup Balmora. C'est ça, t'es en RTT à partir de 18h. Exactement. Non mais je m'en fais pas. Vous inquiétez pas, c'est toujours baba cool la modération, ce qui se passe chez moi. Mais je prendrai pas de risque. Hein. Il est évident que quand j'aurai me pioter, je mettrai le... Oh, regardez-moi cette image. Avec les deux lunes et le volcan. Voilà, à mettre en émoticône seulement, on sera baba cool. En mode pilotage automatique. Non, moi, il faudra pas que je me loupe au niveau de ce que je vous ai préparé, que je pense à tout mettre. Le changement de blabla de Discord, qui je l'ai programmé pour cette nuit à vous donner des infos sur la promenade et le mode spécial, là. Oh, c'est pour moi ça, Pierre Brunic. Et puis moi, que je puisse faire 2-3 bricoles sur mon écran secondaire pendant que je vous diffuse les promenades, j'aimerais être un petit peu productif quand même sur mon ordi ce soir. En même temps que de réveillonner. Wally Wallou. Oh mon dieu. Ah oui, il y a des vilains ici. Alors, la carte devrait être plus bavarde, je crois. Oh, je suis proche. Oh, je suis proche de ma destination. Je vais prendre un truc de dopage et puis je vais aller au combat. Un guarna. Oh, j'ai jamais vu de guarna. Ouch, il y a l'orage. Ouch, il y a un vrai halite. Non ! Vilain halite. J'ai le patatage en règle. Ça y est, je l'ai eu. Ah non, mais il y en a un deuxième. Mais il y a un nid ici, c'est pas possible. Ah, lui il me donne un truc. Lanière de peau brute. Alors, merde, il faut que j'apprenne à me servir de ma boussole, moi. Quoi? Le creux de Nithalou? Mon truc est par là-bas.
Encore un guarnin. En dessous, le haut. Il y a un truc schmuche des falaises. Eh oh, ça commence à devenir sport là. Merde, il m'a vu, je crois. Attendez. Que je me dope. Que je me dope. Il faut que je bouffe le poulet. Il est où le poulet de tout à l'heure? Voilà. Poulet et estragon. Dans 35 minutes, j'ai plus de santé. C'est un truc que je me suis fait, c'est très bien. Je dope la santé. KFC. La magie pendant 35 minutes. Allez, la magie, thé à la menthe. Allez, vlan. Vas-y que je prends ça. Je suis dopé. Je suis dopé, je suis prêt au combat. J'ai la guerre, t'es mon nucléaire. Ah! Ah! Je crois qu'il était mort, lui. Merde. Du coup, il m'a fait baba. Oh là, mais il y en a combien? Ah! Il y a la plante qui m'attache, je crois, sur la gauche. Le truc mûche de dragon, là. Alors, un, ça va, mais plusieurs, bonjour les dégâts. Ça, j'arrive pas à fermer, où les boulets? Ah, mais doum. Ah non, c'est du jute. Je pensais à un autre végétal qui est d'aspect jaunâtre aussi. Mais oui, c'est bon à prendre, moi, pour la chimie. Alors, attends, pourquoi j'ai une barre de sang, là, qui m'a indiqué? Qu'est-ce qui se passe? Que signifie? Pourquoi j'ai plus ma boussole? Mouche chercheuse. Attends, mais il y a plein de... Ah... C'est un boss, ça? Oh, c'est un boss, ça. Oh la vache! Ah oui, d'accord, faut faire des roulés-boulés pour que je l'esquive. Oh, lui, il va me déboîter! Oula, 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 je peux pas bouger. Ah oui, je suis complètement sonné. Non, ça craint, il va me buter. Ah, au secours! Courage, fuyon! J'ai trouvé plus fort que moi! Ah ah ah, roulez-boulez, oublie-moi. Oublie. Oh là, il y a trop de danger dans ce truc. Aïe! Il m'est retombé dessus. Il m'a retrouvé, ouin! Ah! Oh la vache! Ah, puis il y a tout qui me suit. Je suis dans la mouise. Ah. Attends, j'ai vu la porte de l'objectif. L'objectif était là-bas. Ah oui, survive. L'aurais-je semé? Je ne pense pas. Hop. Ah merde! Je pensais que c'était un accès, mais pas du tout. Mais c'est quoi cette horreur? Oh, Flore et machin. Non, attends, c'est pas le moment de lire. Ce n'est pas le moment de lire. Il va me buter. Ah! Ouf! Ouh! Ah, la cochonnerie est là-bas. C'est bon, elle m'a oublié. Bon, j'ai eu très très chaud. J'ai eu très très chaud. Oh, c'est trompeur! Pour moi, dans mon ruine, c'est des portes, les machins. La plaque du tombeau ancestral de nous va prendre un frottis. Ah bon? Ah bah voilà. Frottis du... Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Alors, F comme frottis.
Non, c'est pas dans l'inventaire. C'est pas grave, je suis plus assez prêt. Alors, la carte dit quoi, du coup? Bah oui, je suis au bon endroit. Cratère de Caldera. Ce petit chemin, peut-être? Qui sent pas bon et pas la noisette? Parce qu'on est au pied d'un volcan? Oh! Utiliser la pierre mémorielle de Gillian. Bon, allons-y. Accompli. Aller au point de vue panoramique de Balmora, observer le souvenir de Gillian. Pardon? Cet endroit est merveilleux. Ah! Je me demande depuis combien de temps il est à l'abandon. Il a pu s'écouler des années, des décennies. J'espérais trouver d'autres reliques d'Oemer, mais la vue est édifiante. On peut pas être tranquille nulle part dans tes eaux. Flatteur. Mais cette vue-là, tu l'as partout. Et je ne m'en lasse jamais. En parlant de regarder, il faudrait chercher une maison plus grande. Pourquoi? La nôtre n'est pas bien? Elle est un peu petite, non? Elle est confortable! Il y a de la place pour toi et moi. Oui, c'est bien le problème. Je... Non? Eh bien, tu n'as pas fait que regarder depuis que nous nous sommes mariés, mon chéri. Les maisons, tu veux dire? Attends, oui. Bravo, tu es chanceuse. C'est ce qui arrive lorsqu'on aime ce que l'on voit, n'est-ce pas? C'est merveilleux! Je vais devenir père! Oui, mon cher, tout à fait. Il nous faut une nouvelle maison, avec une vraie cuisine et une deuxième chambre, voire trois chambres. Chaque chose en son temps, mon chéri. Ouais, et dans le grand âge, tu deviendras pépère. Allez au point de vue panoramique de Balmora. Au point de vue panoramique de Balmora, mon dieu. C'est à côté. Bon, il n'y a plus qu'à espérer que je ne fasse pas une mauvaise rencontre. Oh là là, c'est... Oh, c'est particulier ça, c'est... C'est de l'art aussi. Voilà, mais il y a trop de chiens. Ah, puis il y a la bestiole de mes deux. Ah non, mais ils veulent en découdre, les salopios. Ils veulent en découdre. Voilà, là il est mort. Déjà j'en aurais plus qu'un qui va me siphonner et me patater. Merci. Bonjour Devil Alive. Non trader. Oh merde! Oh merde! Ah! Aïe, le décor me coince! Oh, il est généreux lui! Vous du duo! Il m'a donné 5 trucs! Putain, mais c'est pas vrai! Bon bah tant pis, hein, l'aventure c'est l'aventure! Allez go! Oh merde, les deux viennent en même temps! Alors ça me plaît pas! Attends, j'essaie de m'acharner sur un premier! Stratégie, voilà! Ah lui je l'ai eu! Décidément, je m'améliore en beaucoup de trucs. Oh là 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 là, ce jeu de fou! Si je patate à chaque fois un ennemi, j'ai une amélioration d'un rang de je sais pas quoi. Oh là 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 là! Bon bah, j'ai bien fait de pas fuir le combat. C'est quoi ça?
Encore une libellule? Non, c'est une fée. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que... Bah attends, mais ça bouge. Ok. Fairy The Elder Scroll Online. Je cherche plus à comprendre. Alors, utilisez la pierre mémorale de Gillian. Accompli. Allez à Balmora et observez. Je vous en prie, ouvrez les yeux. Ils sont partis? Oui. Vous les avez repoussés. Oh, tant mieux. Mourir pour rien. Je m'en serais voulu. Tu ne vas pas mourir. Tu n'as pas le droit. Autorité? Je peux soigner davantage que des écorchures, tu verras. Mais ne bouge pas. Oh, je me sens mieux. Je te l'avais dit. Tu saignes encore, encore un peu. Ilan. Je peux te sauver, tu vas voir. Prends bien soin des enfants pour moi. Promets-le. Nous nous en chargerons ensemble. Promets-le. Bien sûr, je promets, mais ouvre les yeux. J'aimerais le pouvoir. Bravo, Ra! Tu as rendu ces années si merveilleuses. Bravo, Ra! Bravo, Ra! Eh bien, je sais pas, il y avait des créatures bizarres au sol. On aurait dit des hommes en carapace. C'était étrange. Alors, étrange histoire. Bon, allez à Balmora, ok. On retourne à Balmora. Par la flotte! Ouais! Une petite tête piquée dans l'eau. C'est quoi ce raffut dans la flotte d'ailleurs? Trou de pêche lacustre. Vous avez besoin d'un appât. Ah. Ah, érable. J'aime bien couper du bois. J'ai fait mon bûcheron. Tout prendre. Ah, attends, c'est un coin pêche que je peux faire? Oh, j'ai pas de matos de pêche, je peux pas... Et vous avez besoin d'un appât. Vous ne pouvez pas pêcher tout en nageant. Je suis prêt à le croire, effectivement. Ah, ah, ah. Appât de rivière, appât sale, appât lacustre. C'est lacustre qui disait, non? Maintenir... pêcher. Ah! J'essaye la pêche! J'improvise. Alors je sais pas comment marche la pêche. Je découvre. Hein. Ok. Sable flanc. Sympa. Ah bah, sable flanc, ok. Bon, c'est bien, j'ai utilisé mes deux appâts pour avoir deux poissons, ça me va très bien. L'échange est bon. Alors attends, retourner à Balmora. Merde, je suis sur le mauvais quai. Il va falloir que je traverse le pont. Je me suis mis sur la mauvaise rive. Alors, encore avoir le droit à une vision. Je suis dans une mauvaise passe, aidez-moi. Ah, alors la pierre mémorielle. Votre femme a signé un contrat, Gillan. Elle ne l'a pas rempli. Mais elle est morte. Et maintenant, c'est mon rival qui a acquis les cristaux qu'elle devait me procurer. J'ai perdu la mère de mes enfants. Des échecs ne me regardent pas. Nous n'avons pas d'argent pour vous rembourser. Alors nous vendrons votre maison. Nous ne pouvons pas faire ça, maître, je vous en prie. Mes enfants... pourront acheter leur maison avec leur propre argent.
Meria a tout juste 8 ans. Et Mills... Vous avez une alternative? Qu'est-ce que je peux vous proposer? J'ai cru comprendre que vous vous y connaissiez en magie. Vous me servirez. Mais... mes enfants... Ils resteront chez vous tant que vous respecterez votre contrat. Mais qui les élèvera? Quand les verrai-je? Vous les verrez lorsque je n'aurai pas besoin de vous. Sauf si vous préférez qu'ils soient dans la rue. Non, bien sûr que non. Merci, maître Drenim. Je vous servirai. C'est aujourd'hui que vous signez votre contrat. Eh bien, quelle tragédie. Alors... parler à Gillian Larnaud... Merde, oula, attends, j'ai pêché et maintenant il me met, quand je vous l'inventaire, un truc sur les filets. Les poissons que vous fournissent des ingrédients de cuisine une fois que vous avez levé leurs filets. Vous pouvez utiliser ces ingrédients de cuisine pour préparer les aliments et boissons. Appuyez sur Alt pour lever les filets des poissons dans votre inventaire l'un après l'autre. Vous pouvez accessoirement lever les filets de plusieurs poissons d'un coup dans un atelier de cuisine. En plus, c'est sûrement ce que je ferai dans l'atelier de cuisine. Mon dieu, ce jeu de fou. Attends, je vais localiser la suite du... Gillian Larnaud. Mais le malheureux, il a encore en vie? Non, c'est lui? Attends, j'ai... au lieu d'essayer de sauter par-dessus le pont, je vais peut-être... suivre le chemin. Respecter la voirie. Ah non, c'est pas... Ah oui, il est encore en vie. Ah, c'est lui devenu vieux. Vous avez retrouvé mes souvenirs. Il faut qu'ils comprennent. Ah, j'ai récupéré les souvenirs que vous m'avez demandé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, non, merci. Vous avez récupéré tout ce dont j'avais besoin pour expliquer, pour parler à mes enfants. Je ne suis pas sûr que mon cœur pourrait en endurer plus. J'ai l'impression de la perdre de nouveau. S'il vous plaît, pourriez-vous rendre un dernier service à un vieil homme? De quoi avez-vous besoin? Demandez à mes enfants de me rendre visite. J'ai le sentiment que je pourrais enfin leur laisser les réponses que je n'ai jamais pu leur donner. Dites à Neria que nous devons parler de sa mère. Quant à Mills, s'il hésite, dites-lui que c'est à propos du domaine, son héritage. Où puis-je les trouver? Neria travaille aux étables. Elle a toujours été douée avec les gouards. Elle a hérité ça de sa mère. Mills sera sans doute en train de pêcher au canal pour le dîner. Il ramène toujours de quoi manger. Je suis tellement fier de tous les deux. J'aimerais tant qu'ils me comprennent. Eh ben, je vais les trouver, Gillian. Ibi. Surtout qui, là? Oui, alors attends, ça se passe dans la ville. Bah, ça va, c'est assez simple. Oh là là. Attends, faudra que je redescende. Oh, cette quête. Hop là, put. Oui, on se connaît. J'essaie de pêcher. Votre père a besoin de vous parler, c'est à propos de votre mère. Je n'ai rien à dire à cet homme. Je ne veux plus parler à mon père. Est-ce si difficile à comprendre? Il a dit que c'est à propos de votre héritage. Je ne veux ni son argent, ni ses excuses. Cet homme croit vraiment qu'il va m'acheter après m'avoir ignoré toute ma vie? Laissez-moi tranquille. Si père a besoin de quelqu'un pour écouter ses excuses, demandez à Neria. Oui, mais je peux pas, c'est en rouge, visiblement. Ah oui, persuasion, je l'ai pas. J'aurais peut-être parlé à Neria dans ce cas. Arrêtez donc de vous mêler de nos affaires. Qu'en dites-vous? Je n'ai rien à vous dire. Bonne journée. Ibi. Donc la frangine, elle est si loin que ça? Oula, il y en a qui récurent le sol, c'est violent. Attends, je retourne dans la flotte, moi. Je suis arrivé au bout du quai. Ah oui, elle est... Oh, c'est d'une tristesse, cette quête. En fait, ils sont tous d'une même famille.
Et ils se font la gueule dans le même patelin, en fait. Encore que ce soit séparé par des kilomètres de... Je dis pas, encore que... Mais ils se font la tronche alors qu'ils sont tous dans la même ville. Oh, vous avez l'air de beaucoup voyager. Si vous voulez donner un peu de repos à votre monture, vous êtes au bon endroit. Nous traitons bien les Gouars à Balmora. Sauf que c'est pas ça. C'est votre père a besoin de vous parler, c'est à propos de votre mère. Ma mère ? Père en parle rarement. Je sais à quel point c'est douloureux pour lui de repenser à elle, même après toutes ces années. J'étais jeune quand elle est morte, mais j'en garde de beaux souvenirs. Est-ce qu'il a dit pourquoi ? Qu'est-ce qu'il vous a demandé de faire ? Je l'ai aidé à retrouver ses souvenirs de jeunesse. Comme c'est étrange. Père a toujours pratiqué la magie. Parfois, on aurait dit qu'il n'y avait que cela qui l'intéressait. Au moins, je sais qu'il faisait cela pour s'occuper de nous au mieux. Bon, je ferais mieux de passer le voir. J'imagine que Mills ne veut pas y aller. Je vais faire en sorte qu'il vienne. Ah, bah merci. Alors, parlez à Gideon. Oh là là là. Suivant. Après les quêtes FedEx dans les jeux vidéo, les quêtes assistance sociale. Ça parle mal. Qui c'est qui a fait où? Bah alors, quelqu'un a gagné l'auto là ou quoi? C'était quoi ce cri? C'était si soudain. Quoi? Attends, non, c'est pas possible. Ah mais non, je me suis planté. Non, pas ça. Oh, ça c'est l'affichette de la guilde des crignogneux. Ah, c'était oui, c'est l'étage du dessus. Quoi? Mais je veux pas déverrouiller et forcer la serrure. Ah, c'est pas... Oui, elle fait dodo, c'est la nuit, c'est ça? Le petit matin, je sais pas. Ouais, peut-être que je revienne à une autre heure. Je comprends. Attends, si je change de quête. Parler à l'archi-chanoine Tarvus. Mais ça va se passer loin, ça. Faut que je retourne à Vivec. Parler à Gideon. Ah non, c'est voler le registre des Redoran. Mais non, mais c'est pas la bonne quête. Oh là là. Mais je suis nul. Oh. Oh là 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 là. Minute papillon, je retrouve la bonne quête. Voilà, c'est celle-là. Non, c'est, j'ai sûrement déclenché une quête de la guilde des voleurs, là. Oh le toutou. Oh. C'est un labrador, je crois. Savoir. Ah, merci. Merci pour l'info, Felfan, et merci à Heroster pour la pub de... Pour ceux qui, malheureusement, voilà, ont pas de chance de réveiller. Mais oui, ça peut faire plaisir à certains. Merci tout plein d'avoir fait la publicité. C'est adorable. Merci, merci. Le maître est allé se reposer à l'étage. Il ne désirait pas être interrompu avant votre arrivée. En route, Mills. C'est encore votre père? Il a une drôle de façon de le montrer. Père, Mills est venu nous rendre visite. Cheminée? Non, cheminée qui compte pas pour une cuisine. Oh, j'aurais adoré me tenir mes plats. Père! Père, vous voilà enfin avec mère. Il n'aura pas résisté à l'envie de me décevoir une fois de plus. Bon départ. Hein, quoi? Ça parle mal? Hein? Je comprends pas, là. Pouvez m'expliquer? Si seulement j'étais venu plus tôt. Ah bah, mes condoléances. Merci. Nous savions à quoi nous attendre. Mais cela ne rend pas les choses plus faciles. Mon père était un homme bon, même si Mills ne l'a jamais vu. Pourquoi était-il tant obsédé par cette pierre? Vous dites avoir dû entreposer ses souvenirs à l'intérieur?
Oui, il voulait que vous consultiez ses souvenirs. Je suis presque effrayée de le faire. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu nous taire pendant tout ce temps? Enfin, c'est sa dernière volonté. Merci de l'avoir accompli. Ceinture des souvenirs marqués. Quoi? Un fantôme? Nerea. Nils. Je regrette tant de ne pas avoir été là pendant votre enfance. Mais je n'ai jamais pu vous dire que la décision ne m'appartenait pas. Chut, Nils. Je crois que c'est un souvenir. Bientôt, je pourrai vous faire part de la vérité. Tout vous révéler. Grâce aux efforts de ce généreux voyageur, j'ai archivé mes souvenirs dans cette pierre. J'espère qu'un jour, vous trouverez une raison de me pardonner. Et de trouver le père et la mère que vous n'avez jamais eu. Je vous aime. Je vous ai toujours aimé. Je suis si fier de vous deux. Père. Pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas pu disparaître comme tu le fais toujours? Pourquoi ne me laisses-tu pas t'oublier? Parce que ça ne concerne pas que lui, Nils, ni toi. Ça nous concerne tous, toute notre famille enfin réunie. Ibi, ce drama. Oudoudou. Pensez pas tout, excusez-moi les gens, mais j'ai évolué. Le mec qui casse complètement le... Oh là là. Ah, le deuil. Expérience accrue pendant encore une heure. Oui, bah je joue jusqu'à midi et demi. Et puis c'est bien, je vais profiter de mon bonus de 50% à donf. Félicitations, blablabla, blablabla, recevoir. Votre inventaire est plein, merde. Comme par hasard. Bon, quelqu'un a une cuisine là. Oh merde, oui. Mais je suis encore à 100%. Oh. Mais sans emplacement d'inventaire qui sont pris. Ah, mais je veux me débarrasser de rien, moi. Sniff. Oh. Terrible. Bon, bah... Mettre au rebut. Ouais, ou détruire. Tant pis, je détruis des ingrédients. Ouais, hop. C'est des ingrédients de cuisine, alors... Mon du riz, j'en ai 5. Quand je commence à accumuler, je... Ah! Magie... Oh, je vais garder la soupe à la tomate pour le prochain jeu. Là, je cumule trop de bonus, là. Alors c'est ça que j'aurais peut-être pu prendre si j'avais eu le combat là qui tournait mal. Enfin bon bref, ce qui est fait est fait. Pomme de terre, allez, je la détruis. Je vais gagner un peu de place dans l'inventaire. Le miel. Préparer des boissons. Ah et oh, boissons de miel, c'est pas dégueu. Maïs. Oh, j'en trouverai facilement du maïs, c'est quelque chose de commun. Légumes verts. Oh là là là, dommage, dommage, c'est bon les légumes. J'aime bien carburer aux légumes, ouais. Des shit de merde, dont je garde la citrouille pour Halloween. Non, allez, zou. Je m'en débarrasse. La carotte aussi. Tac. Betterave, pareil. Oh, je m'amuserai à faire ma popote hein, une autre fois. Tant pis pour les bananes. Chez la banane, chez la banane. Hop là. Bon alors, pardon. Donc j'avais une récompense. On va y arriver. Recevoir tout le boxon. Je vais augmenter un peu ma vigueur. Je suis un peu mou. Ouais. Au niveau de la vigueur. Ah oui, les compétences. Oh là là. Alors je vais prendre les suggestions parce que... Croissance enchantée. Fait immédiatement pousser devant vous une grande zone de champignons mignons là, oui. Qui vous soigne et... Oh, c'est pas mal, ça. Ah ouais, ça me plaît bien. Bonne idée. Bah, c'est ce que j'ai. Ah non, croissance enchantée contre sport apaisante. Ah, croissance accélérée. Bonjour, Just River.
Bonjour et bienvenue. Lorsque vous soignez, vous soignez un allié possédant moins de 15% de santé avec une compétence équilibre vert ou gagnant guérison mineure. Augmente les soins prodigués de 16%. Eh ben c'est très bien ça. Ah non, c'est passif, j'ai pas le... Don de la nature. Lorsque vous soignez un allié avec une compétence de blablabla, magie, et ben voilà. Allez, vas-y. Au moins, j'aurai une belle compétence. J'aime bien les compétences hivernales aussi. Créer de compétences armure hivernale, va devoir. Allez, zou, vas-y. Bon. Ouais, c'est vrai que c'est super important les compétences passives. Bah, ça va bien, merci. J'espère que toi aussi, Just Weaver, bienvenue à toi. Des armes, bâton de rétablissement. Ah, drain d'essence et expertise en rétablissement. Ah bah oui, si je peux être doué en soi à donf. Allez hop, zou, avec un bâton de rétablissement, je pourrais requinquer les alliés, surtout quand on joue tous ensemble. Cela a dû être très dur pour père, de devoir nous quitter si souvent, de garder le silence tandis que nous nous éloignions de lui, que nous le rejetions même quand il était là. Cela semble idiot, mais je retrouve l'espoir. Père et mère sont enfin avec nous. Leurs souvenirs leur survivront. Alors j'aime bien le rythme de Tezo quand on interagit avec des personnages, quand on est dans des quêtes. Comme The Elder Scrolls est un univers littéraire, permet-moi, vous l'avez vu, de me restaurer, là, de boire un coup, de me rincer le gosier, mais aussi de pointer, de relever le chat. Donc ça peut être une dynamique très sympa en diffusion. J'apprécie, vraiment. Je croyais connaître mon père. J'ai toujours cru qu'il me détestait et que c'était la raison de son absence. Je m'en suis fait une raison depuis longtemps. J'avais un père et je le détestais. Et maintenant, il a disparu. Comment affronter ce que contient cette pierre en sachant que j'avais tort ? Et voilà, c'est le drama. C'est le drama. Ah là 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 là, un scénario de pièce de théâtre, ça. Ou d'opéra, tiens. Alors, parler à l'archi-chanoine Tervès. On va peut-être se téléporter. Ou pas. Attendez. Temple blablabla, 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 blablabla. Allez, confirmé. Ça, je vais pouvoir aller à Vivec. Oh, c'est beau. Je mysticisme. Et on va filer à Vivec. Attendez. Si je retrouve l'oratoire du... Oui, voilà, nickel. Téléportation. Alors, l'archi-chanoine de Milieu, où qu'il est ? Il est dans le temple de Vivec ? Il est là-haut, non ? Ah non, il est peut-être pas auprès de Vivec, l'archi-chanoine, j'ai des bêtises. Vérifions. Vérifions, petit patapon. Oh, il est tout proche ! Il est dans les quartiers d'administration de la bibliothèque. Oh là, les gens qui courent comme des dératés, ça m'en fout. Ah, bureau de l'archi-chanoine. Alors là, on reprend la quête principale, là, le coup du météore qui va se cracher sur la cité. Et le seigneur Vivec qui est affaibli. Oh, c'est beau le truc de la lyre avec la lance. Ah bah oui, forcément. Guerrier poète. Déplacer cœur ébène, pardon. Attendez, là je vais vous lire, le papier m'intrigue. Membre de la prêtrise du tribunal et des ingénieurs de la maison à Alu. Pendant une récente visite sur le continent, le seigneur Vivec s'est pris d'affection pour la désuète et charmante ville de Kereben, aux Iboulis, sur la côte nord de Morrowind. Là, il passa un temps impressionnant dans la ville, à se promener dans les rues et à examiner tous les bâtiments qui s'y trouvaient. En vérité, la visite nous a fait prendre du retard et m'a mis dans un grand inconfort lorsqu'il s'agit de tenir nos autres engagements avant de devoir rentrer à Vardenfield.
Après être resté en silence aux côtés du guerrier poète, tandis qu'il étudiait avec ténacité chaque pavé et chaque toit de chaume, emplissant son carnet de toutes les notions et observations idoines, je sais plus lire, oula. Le dieu vivant finit par se tourner vers moi. Archi Chanoine, dit-il, cet endroit me fascine. Nous devons en avoir l'équivalent à Verdunfield. Vraiment, seigneur, ai-je demandé pour savoir où le dieu vivant voulait en venir. Je pense que cet emplacement jusqu'au sud de ma ville, continua-t-il. Oui, ce serait parfait pour construire ma nouvelle caravane. Construire, seigneur, répétai-je en redoutant qu'il allait me demander. Construire, déplacer, comme vous en jugerez préférable, admit le seigneur Vivek. Que les chanoines et les ingénieurs à Alu dressent des plans au plus tôt. J'ai hâte d'entamer ce nouveau projet. Et voilà, de la bouche de notre seigneur à vos oreilles, par le biais de cette lettre, je me réjouis d'avance de voir vos idées dans, disons, 3 mois. Au nom du seigneur Vivek, en Archi-Chanoine Tarvus. Eh ben, dis donc. Oui, tu as raison, faut que je boive un coup, c'est pas tout de lire les documents du jeu. Bon. Mais qui ? Alors, l'Archi-Chanoine, il dit quoi ? J'ai mené ce rituel un nombre de fois incalculable, et il ne m'avait jamais explosé au nez. Si je découvre que vous avez saboté la divination... Non, je ne dois pas vous reprocher mon échec. Vous n'êtes pas responsable de la difficulté ambiante. Ouais, Tarvus, en plus, il est plutôt impoli, là, il nous tourne le dos, gros vilain. Vous parlez de la perte de pouvoir du seigneur Vivek ? Comment le savez-vous ? C'est le seigneur Vivek qui vous en a parlé. Bien sûr, c'est son droit, après tout. Par contre, vous devez jurer de garder le secret. Ce serait la panique si les gens pensaient que le tribunal perdait ses moyens. Le seigneur Vivek a dit que vous pourrez m'aider à découvrir la source du problème. C'est vrai. Je suis bien plus doué pour les recherches savantes que pour le travail de terrain. Et le rituel ne fut pas un échec total. Il a confirmé 3 lieux de mes précédentes études. Balmora, Aldrun et la tour de Barilzar. Je veux que vous enquêtiez dans chacun de ces sites. Alors Aldrun, je n'y suis pas encore allé. Et la tour de Barilzar, je ne connais pas du tout. Mais Aldrun, c'est une des cités de Morrowind, c'est sympa. Dites-moi plus sur ces lieux avant que j'y aille. J'ai étudié comme j'ai pu les ressources dont je disposais ici à Vivek. Pour en savoir plus, j'ai besoin d'envoyer quelqu'un à chacun de ces lieux. Le seigneur Vivek pense que vous êtes le mieux placé pour cette tâche. J'espère qu'il a raison. Moi aussi. Que pouvez-vous me dire sur la tour de Barilzar que je connais pas du tout ? Je pense que le mage aperçu dans le rituel était Barilzar, qui travaille dans cette ancienne tour Veloti. Ces expériences diffusent une énergie semblable à l'affliction qui touche Vivek, mais sans correspondre parfaitement. Découvrez ce qu'il sait sur le transfert d'énergie divine. Alors, je joue rarement à The Elder Scrolls, dans général, hein, tous les opus confondus. C'est un univers vraiment très riche. Si, il me parle d'une ancienne tour Veloti, si c'est la structure, le bâtiment auquel je pense, je suis pas dans la mouise. Parce qu'en fait, c'est des tours de magiciens et les quartiers privés des mages pour les atteindre et avoir le plus intéressant. Il faut maîtriser la lévitation parce que c'est à l'étage supérieur et il n'y a pas d'escalier ou d'échelle ou rien du tout. Il faut, par la magie du démon, s'élever pour atteindre les... Ah, c'est pas pour moi maintenant. Bref, que pouvez-vous me dire sur Balmora ? La maison Redoran contrôle la ville ainsi que les mines à proximité. La maison Lahalu dispose également d'intérêts dans la région. On raconte qu'un culte opère dans la région, ce qui m'inquiète au plus haut point. Nous avons aperçu un cultiste lors du rituel. Renseignez-vous discrètement et voyez ce que vous pouvez découvrir. Quel genre de secte ? Je n'en sais rien. C'est bien pour cela que je vous y envoie. Je vous conseille de commencer par l'auberge. On raconte souvent des secrets entre 2 verres dans un endroit pareil. Les mineurs savent peut-être quelque chose.
Et j'ai entendu dire que la maison Redoran avait énoncé une sorte de proclamation. Tiens, tiens. Que savez-vous sur Alron ? Les cendrés sauvages, comme celui que nous avons aperçu dans la vision, utilisent cette zone pour leur réunion tribale. Ces nomades hérétiques refusent la divinité du tribunal et n'aiment guère Vivec. Mais je ne vois pas comment ils pourraient être appliqués. Voyez ce que vous pouvez découvrir. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir ? J'ai suivi des traces de l'énergie de Vivec jusqu'à ces endroits, et le rituel a confirmé cette connexion avant d'échouer. Par contre, ne parlez à personne de la condition de Vivec. Il faut éviter de propager la panique. Si j'observe des changements, je vous préviens. Au revoir. Ah mon dieu. Oh, bonjour Poupon, comment ça va? Waouh, il est beau le grimoire. Enfin, le présentoir pupitre à livre. Oh, encore lié à Baldaquin, trop classe. Oh, la baignoire. Oh là là. Bon, c'est le quartier privé du chanoine. Une nuit bien difficile, mais ça va, là. Ah, merde. Oh. Eh bé. Oh, bah, du coup, tu vas pas être frais pour la Saint-Sylvestre, Poupon. Oh, quelle tristesse. L'hôtel de la générosité. Qui disait. Alors, longtemps après notre triomphe sur les Zvemer, le peuple voulut construire un monument aux héros de cette guerre. Vivec les a remerciés, mais objecta qu'il valait mieux dédier un monument à tout le peuple, grand et petit, affligé ou terrassé par la guerre. Au revoir. D'accord, c'est stylé. C'est stylé. Alors, inspectez la tour de Venn, inspectez Valmoral et Ardoin. Ah, on a Christella qui part en haute mer. Elle a bien raison. Trois orages et une heure de coupure de courant cumulée. Oh merde. Oh dur. Oh vache. Oh j'espère que j'aurai pas ça moi. Ça me rendrait fou. Oh puis j'ai peur des tempêtes maintenant. Parce que comme on a un hiver pas assez froid, on risque d'avoir une saison des vents en janvier, février, mars. Et j'en ai marre. Franchement j'en ai marre. Le coup des tempêtes, je supporte plus. Attends, il me fait la flèche qui s'excite, mais. Alors soit c'est au-dessus. Ah oui c'est au-dessus. C'est au-dessus, mais pourquoi? J'essaie de sauter pour atteindre le truc. Merde, oh là. Moi dans le nord ça a bien soufflé là, dit Cinéan. Ah merde. Oh j'espère que je vais pas avoir ça d'ici 24 heures en Lorraine. J'ai pas regardé la météo, mais parlez pas de malheur. Alors, si ma diffusion de la nuit prochaine, hein, les 12 heures de promenade inédite en Lorraine pour le jour de l'an, la nuit de la Saint-Sylvestre coupe, vous saurez pourquoi. C'est parce qu'il y aura un sale temps en Lorraine et que j'aurai plus de jus. Il n'y aura plus d'électricité. J'espère que ça va pas arriver. Quoi? Pactage de pèlerinage. C'est quoi ça? Pactage de pèlerinage. Pardon? C'est quoi cet intitulé? Oh! On peut se cacher! Ninja! C'est ridicule! la diffusion du film de hier soir était un peu hachée vers la fin. Ah, ouch! Aïe! Aïe, aïe, aïe! Ah, bah oui, Poupon, oui! Dur! Mais ce sera la faute à Poupon qui m'a envoyé les orages de la nuit. Oui. Oui, donc Poupon, hein, je fais honneur au beau cadeau que tu m'as fait. Je parle de la perche caméra. Encore mille merci. Ah merde, je vais trouver la cuisine là maintenant. Ah non, c'est un épicier. Ah, je suis deg. Moi qui veux faire la popote. Mais qu'est-ce que je fais là, moi, en fait? Je fais n'importe quoi. Attends, il y avait un perso que je voulais atteindre et puis je me laisse...
absorbé par... Attends, il faut que je passe à l'étage. Oui, donc cette nuit, je diffuse 12 heures de promenade. Ouais, c'est une fois qui dit, pour moi, c'est pas moi qui envoie les orages pour une fois, oui. Tu m'étonnes. 12 heures de promenade inédite cette nuit de Malorène. Enfin bref. J'éteindrai pas mon ordi et voilà, je restais sur Twitch jusqu'à demain soir sans discontinuer. Yes, je suis fou. Allié. Chibidibidibidioudé. Oui, bah je suis en haut donc du coup je pourrais accéder au personnage, non? Attends, je comprends plus là. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots d'Ondaine, en passant par la Lorraine, oh, avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots d'Ondaine, en passant par la Lorraine, oh, avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots d'Ondaine, en passant par la Lorraine, avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots d'Ondaine, en passant par la Lorraine. Avec mes sabots. Quatre promenades que j'ai anonymisées depuis les 6 derniers mois. Je me suis bien préparé en amont. En fait, j'ai supprimé les séquences où on voit ma frangine. C'est quatre promenades que j'ai faites avec ma frangine cet été. Donc, je vous ai présenté que celle avec Nayonet. Donc, c'est du contenu inédit. Ça fait 12 heures de vidéo à quatre endroits différents en Lorraine, dont un dans les Vosges. Et j'ai pris le temps de couper les séquences où on voit ma frangine. Et j'ai coupé parfois le son pour qu'on n'entende pas nos propos, parce que privé, voilà. Je le réexpliquerai tout à l'heure, avant de lancer la longue liste de lecture. Oui, j'aime beaucoup la nature, j'adore me promener dans les forêts, dans les bois, j'adore ça. Alors, on revient au jeu, pardon. Qu'y a-t-il à Cedric Mora? Une opportunité. Du moins le croyais-je jusqu'à ce que je provoque la colère de Divet Fear en ne parvenant pas à livrer les champignons qu'il a commandés à temps. J'ai perdu le colis. Maintenant, j'y suis jusqu'au cou. Savourez le carillon, hein. Il va changer demain. Demain, je vous mets un air de piano pour signaler les heures qui passent. J'ai choisi mon son hier soir. Bon, et pourquoi ne me vaporiserait-il pas pour avoir livré ces champignons? Vous n'avez pas de livraison en retard à vous reprocher. Gire ne devrait rien vous faire. Ne vous fera rien, je veux dire. C'est une certitude. Et puis, je vous laisserai garder le paiement qu'il me doit. Je préfère éviter toute la situation à présent. Oui, bon appétit hein, pour ceux qui passent à table, qui font leur popote. Abandonné? Ah oui, oula. C'est l'intérieur de abandonné, oula. Particulier comme notre promenade Sinan. Très bien, je ferai la livraison pour vous, Miss. Vous me sauvez la vie, mon ami. Je n'ose pas refuser cette commande, mais je n'aimerais pas rencontrer un tel vanille. Message de Torota, 77. Si vous retrouvez le sage cette nuit, soit avec une perruque, soit avec son chapeau de sanglier dans le bois de Boulogne, Nancéen, veuillez contacter ses parents, s'il vous plaît. Merci de votre coopération. N'importe quoi. Alors tu rigoles, mais pour les scénettes, en fait, j'ai enregistré des vidéos pour vous présenter tout au long de la nuit, vous présenter les promenades. Je fais une intro et une sortie, entre autres de différentes surprises. Hein. Je rappelle, il y a des surprises dedans, des petites. Mais oui, j'ai le chapeau de sanglier. Bon là, il est rangé, mais vous me verrez dans les vidéos du soir. Bah si vous voulez, cet après-midi, je remets mon chapeau de sanglier, si ça vous fait rigoler. Sortie de la pause déjeuner. Oui, les différentes scénettes, je me suis amusé à changer de costume. Puis comme j'ai tourné des scénettes sur différents jours,
J'ai pas tout fait le même jour, bah j'ai des fringues et des coiffes différentes. Donc c'est rigolo, je vais avoir différents aspects tout au long de la nuit. On revient au jeu. Puis-je vous poser quelques questions? Vu toute l'aide que vous m'apportez, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Alors, comment puis-je aller à Sadrit Mora? Sadrit Mora se trouve plus haut sur la côte est. Vous pourriez y aller en marchant, mais je ne vous le conseille pas. Parlez à Cinda, notre navigateur local. Elle peut vous emmener là-bas lors de son prochain voyage. C'est d'ailleurs ce que je voulais faire avant de manquer mon délai de livraison. Ah, Drival Freer vous vaporiserait-il vraiment si vous livrez en retard? Les Telvanni ne sont pas comme nous, mon ami. Ils sont puissants, irritables, et n'hésitent jamais à faire du mal. Parenthèse, attends, Cinéan, c'est enregistré. C'est des vidéos que j'ai enregistrées cet été. Ne t'inquiète pas. Ou alors j'ai pas compris ce que tu voulais dire, Cinéan, mais. Bah oui. C'est du contenu inédit que j'ai pas eu le temps de diffuser sur mon antenne que je vous offre. C'est cadeau. Voilà. Et ça a été tourné l'été dernier. Enfin, la belle saison, parce qu'il y avait le printemps aussi. Voilà. Alors, qu'ont-ils de si spécial ces champignons? Aucune idée. Si un mage Telvanni les veut, ça doit avoir des propriétés magiques. Aucune chance que j'en mette dans mon ragoût, croyez-moi. Oui, là, j'ai une capuche, là, vous voyez. Le bon pull hivernal. Ah! Je perds un écouteur. Au revoir. Ah, Popo qui dit alerte. Un homme a été signalé dans la forêt d'ancienne vêtu d'un pain et chapeau de sanglier. N'intervenez pas, même si vous contactez les gardes champêtres. C'est ça. qu'est-ce que... Ouh, un ordonateur, j'allais dire un orateur. Oh la vache, la taille de l'épée. Oh la lame. Voodoo. Merci pour le clip, Torota. Oh, c'est beau. La complexité du chantier. Alors attends, elle m'a dit que quoi, transporte, coupe-muche, chose, machin chouette. Oui, allez. Oh là, il fait peur le monsieur. Enfin, je dis monsieur, c'est peut-être une madame aussi. Alors je suis fou, je me jette dans le canal. Aïe! Attends, il y a de la profondeur ou pas là? Bizarre. Alors je pensais que c'était le moyen le plus évident pour trouver quelqu'un en barque dans le canal pour voyager, mais visiblement, no. A plus, Zoubi, Poupon, bonne popote, bon après-midi, à plus. Bon 31 si je t'envoie pas, Poupon. Fanfan, tu dis, tu savais que l'acteur Tom Novembre était issu de Nancy? Oui. Mais comme je suis pas cinéphile, tu sais, je peux pas lui rendre hommage. Parce que j'ai pas de culture cinématographique. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Aurez-vous quelqu'un dans le besoin? Je suis dans une mauvaise passe. Oui, sauf que je peux pas interagir avec toi, malheureux. Oula, ça parle allemand maintenant dans le... Oula. Attendez, livrer les... Que me dit la carte, géographiquement parlant? Ouais. Ah, c'est quoi ça? Non, parler au maître de guerre. Non, ça c'est pour les duels, je sais pas quoi. Sur les quais de Poupout. Je suis largué. Par contre, je peux partir à l'aventure si je me barre sur ma droite. Pardon. Ce qui est pas pour me déplaire. Aïe! Et mon inventaire, j'ai quoi? Ah, j'ai 8 emplacements de libre. Je respire un peu. C'est beau. C'est un tableau vivant.
Là, Buffnix, là il y a un truc. Oh, puis l'aventure, c'est l'aventure. La crever. J'ai gagné. Oh, c'est quoi le champignon luminescent à donf là? Un coprin violet. Cochez déjà. Je prends tout. Oh. Attends. Vivek est là. Là on a. Attends, c'est Zwemer ça. Oh, j'adore les runes Zwemer. Alors ça, certes, c'est un bâtiment, mais. Ah, je suis irrésistiblement attiré par les ruines de Zwemer. J'adore le style architectural. La la la. Qui c'est? C'est une ancienne cité de Zwemer. Oh, il y a encore un truc là-bas qui est de Zwemer aussi, je le vois d'ici. Attends. C'est quoi qui clignote en jaune là? Qui c'est que c'est? Une encolie. Ça va encore encombrer pendant un temps mon inventaire. Chebao. C'est bon, mais l'entrée, elle est où? Je crois que je vais devoir faire de l'escalade. Si je peux. Ah non, je vais me coincer dans des corps, au secours. Non, attends, je vais prendre les chemins. Il n'y a pas des trucs cachés? Cet univers modélisé est tellement grand. Il doit y en avoir des cachettes, je vous le dis, moi. Bon, je continue sur la côte, malgré les récifs. Aïe, oui. Ils sont trop rocheux. Bah alors, bah merde, y a pas d'entrée sur ce superbe bâtiment? Non, je ne peux pas être déception, c'est pas possible. Elle est où la porte d'entrée? Ah! Oh non, c'est caché. Qu'est-ce que c'est? Obédience, les elfes noirs. Ah, livre découvert. Pour la guide de démage, sac lourd, qu'y a-t-il dedans? De la gelée de Scrab. Eh ben, c'est toujours ça, de réquisitionner. Oh mince, j'adore faire les runes de Zwemer. Merdouille. Oh non, il y a un alit. Il était où le truc que j'avais vu? J'avais vu une autre structure de Zwemer et je l'ai perdu de vue. On va appeler Jacques Pradel. Oh, le Ninrave. Alors pourquoi ça s'appelle le Ninrave à cette époque? Normalement on appelle ça du Ninroute dans les autres opus solo là. Qui se passe par rapport à la chronologie de l'univers dans le futur. C'est tellement étrange. Tezo a été mon troisième MMO préféré. Ah ok, Cinéal. Okidoki. Ah je suis pas trop, c'est pas trop mon genre. Mais bon, comme je connais un peu l'univers et puis que évidemment c'est un cadeau des copains, donc évidemment j'y joue de temps en temps avec plaisir. Merdoum, j'avais. Oula, il y a une grosse bête là-bas. Ouais, j'avais vu un autre truc Zwemer. Je voulais y aller, je l'ai perdu de vue. Ah, là-bas, ça a l'air d'être pas mal. Cette bâtisse m'intrigue au loin. Mais elle est vraiment loin. Oula, je suis passé au travers de la libellule. Oh, il y a un truc là. Un hôtel en pierre. Ah non, c'est une torche de chemin.
J'ai un éclairage public là. Attends, ça c'est le mer là-bas. Ah ah ah, un exalté. Et que signifie? Attendez, citoyen. Bah. Attention, voyageur. Les pèlerins se font attaquer sur cette route. Si vous êtes face à la violence, n'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes là pour vous protéger. Alors, je sais me débrouiller, mais quelle est la cause de cette attaque, de ces attaques? J'espère que votre assurance est justifiée. Nous sommes déjà occupés par les drogues et les cendrés, alors les secours se font rares. Le capitaine Artisien Arros est dans le canton de Molagmar. Elle pourra vous en dire plus que moi. Bon voyage. Ah oui, c'est chronophage, hein. Ouais, ouais, les jeux multijoueurs comme ça. Ah là 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 là. Capitaine de machin, canton Molagmar pourra vous en dire plus que moi. Oui, bah j'irai lui parler. Ok, c'est la disparition des pèlerins autour de Molagmar. D'accord. Ça c'est quoi? Oh merde, c'est encore un truc qu'on peut pas y aller. La chercheuse. Bonjour. Bonjour madame. Ah non, je me suis trompé. Non, non, je croyais que c'était un... Attends, du coup, je suis où là? Je suis perdu. Je croyais que c'était un truc de Zamer, mais non, je sais même plus identifier les architectures. Tour de caravanier. Bah, on va voir si je peux me barrer dans Aldrun, par exemple. Oui, oui, je sais. Vous n'avez jamais vu un aussi gros insecte. Ne vous inquiétez pas. Elle n'a jamais vu un Svit comme vous non plus. Où voulez-vous aller? Où votre foule va, ce petit, m'emmener? Moi, j'appelle ça un échassier des marais. Nous faisons des trajets réguliers vers Suran et Telmora. Si c'est là que vous souhaitez aller, montez à bord et vous y serez en moins de temps qu'il n'en faut à un Kwama pour secouer ses antennes. Ah, Telmora chez Ken... Alors, on est à la deuxième ère. Moi, je suis habitué à la quatrième ou cinquième ère dans le futur. Alors, normalement, Telmora est une ville de mages. Je devrais m'y plaire. Suran, je ne sais plus. Allons à Telmora. On va dire que je vais aller faire des emplettes. J'ai cherché un prochain plaisir, c'est encore la magie de Noël. Eh ben dis donc. C'est le bordel. Oula, il y a des avis de recherche. Vous de Dieu. Vous avez découvert Voice. Eh ben dis donc. Une pétition pour le puissant buff Nyx. Oh là là là, il y a trop de trucs. Il y a trop de choses. Non, non, entrer par effraction, pas du tout. Alors la guide. Ah bah tiens, une échelle. Si j'ai le droit d'y monter. Non. Mais merde! C'est du décor, dommage. Je vais m'offrir un bon point de vue sur la ville pour me repérer. Quoi? Eh ben, je l'ai dans le baba. Mais vous avez pas d'enseigne? Ah non, c'est privé, pardon. Je comprends. Là, pour le coup, c'est logique. Ah, 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 ah! Comptoir de commerce. Ça me va. Boyoul! Oh, c'est beau! Tous ces... Oh là là, ces trophées, ces armures, ces trucs mûches. Ah, un client. Content de voir que Savarak n'a pas encore fait fuir tout le monde. En quoi puis-je vous aider? Hein? Comment ça, Savarak? C'est qui, Savarak? Savarak, l'homme qui casse la barrique. Alors, Bof. Non, réparation, par contre, je veux bien. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaise. Réparez-moi tout ça. Ah, alors je peux peut-être vendre des trucs par contre. Vais-je céder certaines choses? Bière brune à la noisette. En vrai, ça me donne envie d'en goûter. Ouf, ouf, ouf. C'est bon ça. Bottes de voyage. Quoi? Ah, mais je vais les vendre mes bottes de voyage. Voilà, je peux être à côté de mes pompes. Hein.
Un gardon. Bien joué, Olive. Ah, Olive, je te donne une info par rapport à mon agenda. Tout à l'heure, j'aurais très envie de faire ma semaine en hiver dans Stardew Valley. Je sais que t'aimes bien le jeu. Et je vais sûrement faire aussi du Resident Evil. Je vais continuer ma partie de Resident Evil. À coup sûr, ces deux jeux-là, je vous les fais cet après-midi, après ma pause déjeuner, à partir de 14h, on va dire. Je pense que je vais vous mettre les clips de 13h à 14h, le temps pour moi de me restaurer. Ah, c'est difficile de se séparer de trucs. Sert à fabriquer des meubles en cuir. Oui, voilà, je suis pas prêt de me faire des meubles en cuir. Petit glyphe. Poitrine, poussière de platine. D'ailleurs, je pense que je vais commencer à la sortie de ma pause déjeuner à faire Resident Evil parce que ça me bouffe de l'énergie et je les ai là. Et je finirai en douceur sur du Stardew Valley. Pour. Voilà. Et non l'inverse, parce que sinon je vais être. je vais être nerveux au moment de basculer dans le mode auto là, de la Saint-Sylvestre. Qu'est-ce que. Oh là là, là il y a trop de trucs. Alors attends, ça je garde. Quoi? Épaules ordinaires. Ah, je les ai même pas équipés, les épaulaires. Les épaulaires. Oh, mon français. Bon. J'en perds mon latin. Alors. Bon, bah finalement, il est pas si intéressant, ça, le marchand. Il a le mérite d'être là. Je vais m'équiper de mes épaulettes. Puis je n'en ai pas. Eh, pas mal. Ça va bien au perso. C'est dans les mêmes teintes de couleur. Oh, une veinée! Vous venez faire un peu de commerce? Si vous aimez l'or et les rumeurs autant que moi, vous vous sentirez comme chez vous. Ah! Ah! Feu de cuisine! Oui. Faire des filets. Poisson. Ah, bière brune à la noisette, je peux m'en faire 3. Faire des bières brunes à la noisette. Ouais. J'en ai déjà dans l'inventaire, je cumule. Infusion tonique d'acaï, parce que j'ai des baies d'acaï. Augmente. Ah oh, la vigueur. Ah ouais, c'est bien ça. Allez, fais péter. À te faire plaisir, fan. J'en fais 11 exemplaires. La boisson tonique d'Akaï. Alors, pourquoi il me propose des meubles alors que je suis dans un établi de cuisine? Il va pas me proposer d'assembler une cafetière quand même, non? C'est n'importe nawak. Ben, au revoir, messieurs, dames. C'était bien, merci. Ah, c'est cool. J'ai fait un peu ma popote. Je me suis fait mes infusions. Alors attends, j'étais passé par là. Oh, c'est beau. Oh là là, là, je me régale. Au niveau des yeux, c'est un pur régal. Oh, une embarcation maritime. C'est un fameux 3 mois. Ichéo, Santiano. C'est quoi ça? Bon. Qui vous l'a lui? Vivez-vous. Bon. La 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 la. Alors on découvre les lieux, hein, je. Navigatrice. Ah, voilà une dame qui va me plaire. Oh mon dieu, ce conglomérat de je sais pas quoi. Alors, le temple du chewing-gum mâché, c'est dégueulasse. Tellement rare. Oh!
Oh, c'est stylé. Ah, ça en jette. Waouh. Journal de maîtresse Drata. Oh, bah c'est court. Allez, je vais m'amuser à vous le lire. Par maîtresse Drata, mage Telvanni. Eh bien, je ne peux pas dire que la maison Telvanni n'a jamais été bonne à rien, du moins après cette découverte. On trouve parfois des réponses aux lieux les plus inattendus, mais seuls les imbéciles ignorent que les ressources dont ils disposent. Je devrais dédommager ma si plaisante maison pour ce service. Le tribunal sait qu'on me le reprocherait longtemps si j'oubliais. Je savais que ma réponse proviendrait d'une source troublée. Je ne crains pas les Daedra, mais je refuse l'idée de traiter avec eux. Peu importe, tel est mon besoin. Qui d'autre reprendra mon fardeau? Je connais le prix, mais je reste déterminé. Il le faut. Les notes de recherche que j'ai trouvées dans ce tombeau sont des bilvesées ignorantes, naturellement. Il est difficile de trouver un érudit doté d'un brin de jugeote, et cela me paraît plus vrai que jamais au sujet de mes frères Telvanni. Mais je sais à quoi m'en tenir sur ces incantations-ci et pourrais me donner les réponses quant à mon besoin immédiat. Pierre de feu froid aux flammes bleutées, appelez le serviteur de notre seigneur, un pacte venons-nous conclure pour obtenir notre récompense. Un enfant comprendrait que ces pierres de feu froid sont nécessaires pour l'invocation. Je dois trouver quelqu'un pour me le rapporter avant qu'il ne soit trop tard. Quelqu'un qui serait assez fort pour vaincre Xikenaz. Il devrait être affaibli, même avec les pierres. Si seulement l'on avait moins de mal à trouver des gens capables. Oh, brochet Akita de 2 kilos. Bien. Nayone a dit, quand tu as dit le mot poisson, le sage, je mangeais une boîte de filets de sardines. Ah, c'est bien. Des mains de sardines à l'huile. Oh, c'est bon, ça. Vénard. T'as bien raison. Oui, tiens, j'ai presque envie de dire... Ah bah non, j'ai pas accès à mon chat, oui. J'ai le focus sur le jeu, tant pis. Pas grave, je voulais faire une expérience avec... Voicebot, mais ce sera une prochaine fois. L'intendant Seddon, machin... Non, j'aimerais mettre le grappin sur les locaux de la guilde des mages. S'ils sont là à cette époque, s'il vous plaise. Oh là là, j'aime bien le style, il y a quelque chose. Waouh! Les appartements de maîtresse. Ah bon, j'ai le droit de me téléporter? Waouh! Ah! Vous voyez la critique que je faisais qu'il faut maîtriser la magie pour aller dans les étages? À cette époque, à cette ère-là, ils avaient la politesse de faire des ascenseurs magiques. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Parce que dans Morrowind, croyez-moi que. Démerdez-vous pour atteindre les grands mages, hein. Vous n'avez pas la lévitation, ils sont inaccessibles, les doustiques. Et c'est discriminatoire. Protectrice de Telmora. Ok. Oh la vache! Ah, c'est... Bon, la madame est pas là. Je sais pas, j'aurais pu me poser des questions, tant pis. Bon, je vais finir par trouver la guilde des mages ici. J'espère qu'elle est dans l'ère seconde, qu'elle existe. Sinon, je vais être tristouné. Boing, je ressors. Tac, 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 tac. Attends, par là, il y a quoi? On dirait pas, mais on peut s'y perdre. C'est quoi ça? C'est une maison ou c'est... Non, ça doit être une maison. Ah oui, je dois être dans le quartier résidentiel. Oui, oui, quartier résidentiel. Peu importe qui occupe la tour, le travail reste le même. Au revoir. Eh, pas mal, hein. Un siège sculpté comme ça, c'est stylé. Une espèce de souche retournée. Là. Merde, oui, effectivement, c'est le quartier résidentiel. Je vais pas trouver mon bonheur. De toute façon, la guilde des mages, ils ont leur, leur enseigne, ils ont leur écriteau, là, leur... Ah.
il soupire. Attends, vous avez pas fait de pont là ou c'est moi? Ah oui, on passe par là, c'est ça? Ah, ça monte où? Ça, c'est encore une demeure? Oh, c'est bizarre comme porte. La maternité! Ah, je vais faire mon curieux. J'ai jamais vu de maternité en... Non, je veux voir. Oh, on peut faire la cuisine. Ah non, on peut pas faire la cuisine. Merde, j'avais cru. J'étais émerveillé à l'idée de... Oh mon dieu. Tant de choses. Wouhou ! Y a quelqu'un ? Mais il n'y a personne ici. Oh, c'est beau. Étagère de livres. Fouillée. La gloire de Boétia. Pas intéressant, excusez-moi. Hamac. Oh, c'est bizarre. Pourquoi un tel lieu est-il abandonné? Les maladies de la peau sous quelque autre nom examiné. Blablabla. Coffret, bijoux, machin. Non, j'ai pas. Attends, ça c'est un pain? Oui, c'est une brioche plutôt, oui. Oh, mais ça va pas! On met pas une bougie sur un livre, il va y avoir un incendie. Non, mais ils sont fous, eux. Ils sont tous partis à la cantine. Ah ouais, non, mais. Ouais, non, mais complètement. Mais c'est beau, hein, j'adore. J'ai cet adjectif à la bouche beau, mais vraiment. C'est le boulot de modélisation et de composition graphique. Je gagate. Je gagate. C'est une rêverie. C'est ce que je disais dernièrement, c'est l'équivalent d'un Final Fantasy. C'est un rêve vécu en virtuel. Un rêve très très dense. Je crois que je reviens au même endroit. Oui, je crois que je suis un ego. Je vais partir dans la direction opposée. Il n'y a rien. C'est là-bas que je voulais aller. C'est juste qu'il y a tellement de trucs à visiter que je m'y perds. Quoi? Qui que quoi? Un sac appelé Outre d'eau. Oui. Ah oui, c'est bien ça. Ibi. Ça me permet de faire de l'alchimie. C'est la base des potions. C'est qui lui? L'adepte Bilotane. Ah, bien installé, tranquille. Alors, amateur de barbecue? Pour obtenir ce poste-ci, j'ai dû vexer quelqu'un. Je ne vois pas la magistrice. L'intendant m'autorise à peine à toucher à ses livres. Et cette odeur m'empêche de me concentrer. Quelle odeur? Une puanteur de légumes moisis et pourris dans la tour. J'ai le nez très sensible. L'odeur est subtile, mais une fois qu'on la remarque, elle est omniprésente. Il fallait que je sorte au grand air. Ah oui, je comprends. Au revoir. Eh ben, il y a eu un accident en cuisine. Mais en fait, ils sont allés bouffer ailleurs, tu vois. Ça complète ton propos, Olive. S'il y a une cohérence dans tous les événements. Oh là là, on a envie d'aller prendre un bateau, d'aller au loin. Bon, bah, je vais trouver la guilde des mages. Oh, il y a un truc là-haut. On voit ça, ça éclaire bizarre. Bon, allez, c'est qu'un îlot, on va aller voir. Mais... Oh, c'est pour moi. Pierre unique, allez-y. Alors, Jota des Nidjora. Oh, trop bien, j'ai gagné des... Oh, j'ai un crabe qui va me... Hein, je veux pas qu'il en pince pour moi, comme on dit. Ah, c'est le feu de camp que j'ai vu. Ah. Bah, il y a quelqu'un qui a bouffé ici. C'est ça que j'ai vu. D'accord. Bon, la guilde des mages, elle est où ici? 3 fois sniff. Qu'est-ce qu'ils me font? Ah, trou de rivière, non, non. Je vais pas passer ma vie à pêcher, les gens. Eh, comme j'ai beaucoup d'hameçons, là, j'ai environ 80 hameçons. À un moment, je me ferai un téso, je sais pas quand. Me demandez pas quand, je serai incapable de vous répondre. Mais sans enregistrer, sans diffuser,
dans mon coin pour souffler un jour. Je ferai juste la pêche parce que je vais bêtement cliquer 80 fois pour avoir 80 poissons. Alors, mais bon, voilà, ça tue le temps, ça change les idées. Oh, je le ferai sûrement, j'aime beaucoup la pêche dans Minecraft, alors... Tes os, ça changera un petit peu. S'il vous plaît, pour acheter à manger. Alors, je suis largué. Mon navire est à votre service. Discrètement, bien sûr. Dites-moi, quelles autorités voulez-vous éviter? Ah, c'est une navigatrice illégale, apparemment, là. Je dois me rendre à un autre endroit d'un film. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes à votre service. Tant que vous voulez vous rendre à Sadrit Mora, je me ferai un plaisir de vous emmener. Sinon, vous devrez vous adresser ailleurs. Ouais, à qu'un seul... une seule destination. Je suis largué, Dixie, celui qui se trouve dans un port. Oui. Très juste. Tu l'as bien relevé, Olive. C'est rigoureusement exact. Ah, j'allais trébucher dans le tapis, moi. Bon, bah, la guilde de démage, Crotoum, je voulais voir la guilde de démage, moi. J'arrive pas à la trouver, ou elle est inexistante à cette époque. Monsieur le garde, je vous dis prout. Non. Oula, c'est quoi? C'est Racity ici? Il y en a des bestioles. Oh, 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 c'est pour moi. Je la vois d'ici. Je suis fou parce qu'il y a des ennemis tout proches, mais... J'adore collectionner des pierres véniques. Ouais. Oh, c'est quoi? Ah non, c'est une lampe. J'ai cru que c'était un panneau indicateur. Ah, Pédu! T'es suite au premier échec du jour, Olivier. Un jour de plus, c'est tout ce que je demande. Pardon, qu'est-ce qu'il y a? Les Wendell doivent avoir un plan pour sauver cet endroit. Hein? Ah oui, non, j'ai encore cumulé une quête. Et on va se calmer sur les quêtes, moi je vais devenir cinglé. Ah, 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 ça c'est très bien. Ça c'est très très bien, j'ai découvert l'hôtel de téléportation de la ville. Ça aide énormément. Ah merde, elle est où la guilde des mages? Puis en Morrowind, j'avais souvenir à la quatrième ère d'une toute plus grande. Où il y avait plus de monde, plus de boutiques, plus de peuple. Attendez, là je suis encore dans le monde civilisé, mais je m'éloigne de la ville. Encore que j'en suis plus tout à fait sûr. Le jus. Ah! C'est quoi ce truc? Voilà, c'est un champignon en fleur dans une souche. C'est aussi beau que dangereux, potentiellement. Pourquoi il y a une barrière là? C'est ce que. Bon, je comprends plus. Ouais, génial, je me promène. Alors, je suis parti, mais alors complètement en roue libre. Hein. Je me laisse happer par le paysage et la voirie. Là. Oh, faites-moi plaisir, offrez-moi un temple de Zemmer. J'aimerais finir mon direct du matin sur un temple de Zemmer. Enfin, le jeu sur le 1, hein? Bon, écoute. C'est quoi, Valdez, crèche. Oui, j'ai pas compris pourquoi il m'annonçait un... Ah, je vois une porte qui va être encore effondrée, on peut pas y aller, c'est ça? Eh oui, on peut pas y aller. C'est honteux, dans mon ruine, on peut y aller, c'est ouvert. Ce sont des ruines, oh... Je comprends pas pourquoi ils ont pas modélisé les temples. Même si ça faisait une partie en solo, ça aurait été génial. Je comprends pas. Donc ça me... Bon. Du coup, enfin, bon, bref.
je sniff. Alors attendez, je voyage. Oh, c'est dingue, la promenade virtuelle, elle est absolument dingue. Ah, une bâtisse, alors qui est hostile. Oh, je vais éviter de prendre des pavillons. Je vais en avoir 50 dans l'inventaire. Et c'est bizarre, c'est... Alors oui, je sais que certains endroits se ressemblent, mais là... J'ai l'impression d'être déjà venu ici, je me trompe. L'image, le paysage me semble familier. Eh, j'étais pas là l'épisode précédent. Attends, je suis où sur la carte de Morwin? Ah si, c'est possible. Ah, livrer les champignons. Je peux faire une... Je voulais pas faire ça, arrêtez. Non, attendez, au secours. Rezoomer, la vache, la zone de jeu est trop grande là. Reviens, merci. Oh mon dieu, monsieur fait peur. Oui, Sadrit Mora. Merde, Oum. Je suis sûr que je peux y aller. Attendez. Faut que je regarde dans la bonne direction. Je regarde pas dans la bonne direction. C'est vers l'est. On est d'accord, hein? Oui, c'est à l'est. Il faut que j'aille à l'est. Merde, il y a des... Oula. La. Attends, je vais... De toute façon, je vais forcer... Ah, des cagoutis. Ouh, attention, les cagoutis sont coriaces. Quoi, une pierre runique? Où ça? Ah oui. J'ai failli passer à côté sans l'avoir. Tu m'étonnes que c'est intéressant. Ah, le coup de la livraison des champignons mignons là. Quoi? Une belladone? Il m'a dit quoi? Ah, oula. Ah oui, une belladone. Je crois que j'en avais déjà dans l'inventaire, donc je cumule normalement. Normalement. Je suis pas certain de mon coup, mais. Ah, là il y a un temple d'Hydra. Là, le paysage se dessine devant nous. Oh, l'effet de lumière est magique. Regardez ce soleil. La. Oh, mais c'est ma journée pierre runique, moi. Ah non, mais je ne m'en lasse plus. Alors attends, par rapport à la carte, je suis où exactement? Tout baigne. C'est quoi ça? Ah, Teller Round. Oui, il y a des quais, c'est intéressant. Ah, Coprin Violet, j'en avais chipé tout à l'heure. Donc là, c'est bien, je vais cumuler sans occuper un nouvel emplacement dans mon inventaire qui est à... Il ne me reste plus que 2 cases libres, tout va bien. Au secours, je sature en objets. J'ai trop de trucs sur moi. Alors, est-ce qu'ils ont leur propre pierre de téléportation? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faille aller, ouais, vers là-bas, vers le champignon géant. Le champignon géant de la muerte. Ibi. C'est quoi ça? Oula. Oula. L'oiseau m'a fait flipper.
Ah, alors au-dessus, livrer les champignons rares à Prout-Prout, à Vaelin Eren. Tu m'étonnes. Qu'y a-t-il ? Rien. Waouh. Oh, ce que disait tout à l'heure Cinéan, là, il y a un sanitarium, là, il y a un truc pour gérer les malades de la peste. Dans les sous-sols de cette ville, normalement. Enfin, en Morrowind, c'est le cas. Encore une livraison en retard, Rolin, et vous ne travaillerez plus jamais à Vardenfell. Je suis terriblement navré, maître. Cela ne se reproduira pas. Ah, encore un utile imbécile qui approche. Et quel Peccadille m'apportez-vous ? Ouh là là, mais il y en a qui ont le langage mauvais par ici. Chambre d'audience du conseil. Ah bon, faut que j'aille là ? Non. Attendez. Parlez au capitaine Naros. Attendez, je deviens fou là. Faut que je change de quête. Non, livrer les champignons. Livrer les champignons. C'est où livrer les champignons ? Livrer les champignons. Ah, à Eoki. J'ai beaucoup à faire. C'est un Khajiit ? Ah non, pas du tout. Attention où vous mettez les pieds. Je ne voudrais pas que vous marchiez sur cette herbe-ci. Je plaisante, bien sûr. Les Telvanni me forcent à travailler, mais je m'efforce de leur en retirer la satisfaction. Je remarque que vous ne portez pas de fer. Cherchez-vous du travail ? Je connais quelqu'un qui a besoin d'aide. Dites-moi en plus. En vérité, vous aideriez nombre de Saxlil, moi compris. Durant ma dernière tentative d'évasion, j'ai rencontré une beauté ambrée, dont les yeux sont comme une pluie d'été. Son nom, Lekiel, est Soleil dans l'ombre, mais je l'appelle mon cœur. Elle couve un plan pour nous libérer. Que voulez-vous que je fasse ? Cherchez-la à Telnaga. Si je la connais bien, elle devrait être en train de profiter du soleil d'un livre quelconque. Elle lit sans cesse. Elle apprend sans cesse. Si tout se passe comme prévu, elle lira ses livres à mes côtés, dans le bosquet d'un mystre. Bientôt, je l'espère. Très bien, je parlerai à Soleil dans l'ombre. Que Citis vous accompagne, mon ami. Et prenez garde aux Telvanni. Ils filent leurs mensonges plus vite qu'une ancienne au rouet. Comment êtes-vous arrivé ici ? Je me suis trop éloigné de l'Ist, et je n'ai pas prêté attention aux signes des oiseaux. Les esclavagistes d'Unmer m'ont fait prisonnier près de Thorn. Je me suis échappé à 4 reprises, mais je fus repris à chaque fois. Les Telvanni finirent par m'acheter, à bas prix, à ce qu'on m'a dit. C'est déjà ça. Alors, ce qu'il appelle l'Ist avec un H majuscule, en fait, dans le peuple des hommes lézards, Mince, j'oublie les noms des espèces, des races, des individus dans la fiction. Bref, dans les hommes lézards, l'Ist, eux, c'est leur grand arbre sacré au centre du village. Et ils sont liés, en fait, à cet arbre magistral, on peut le dire comme ça. Il y a plusieurs façons d'interpréter les lois. Le pacte de Cœur Ébène a interdit l'esclavage des Argoniens, mais la maison Telvanni a refusé de rejoindre le pacte. Les Argoniens. En fait, je ne vois pas comment ils pourraient vivre sans esclaves. Les magistères sont comme des crocodiles obèses. Dangereux, mais paresseux. Puis-je vous aider à vous libérer ? Ça parle mal. Merci pour votre offre. Mais je suis fatigué de m'échapper pour être recapturé le lendemain. Le plan de Soleil dans l'ombre nous permettra d'être libres pour toujours. Si vous l'aidez, vous m'aidez également. Et qui sont les Telvanni au juste ? Des mages, pour la plupart. Des membres de la soi-disant grande maison Telvanni, l'une des 4 grandes maisons des elfes noirs. Ils adorent utiliser ce mot « grand ».
Grand par la nuisance, peut-être. Alors, ils ont tous des esclaves argoniens ? Oui, et des Khajiits aussi. Voyez-vous, pour les Telvanni, la vie n'est qu'une pitoyable guerre de pouvoir et de contrôle. La maîtrise de leur magie de peau sèche, le contrôle de leur tour champignon et la domination des gens. Des gens comme nous. Mmh. Au revoir. Oula. Petit sur le sucre de petit. Alors, par contre, la grande ville, il doit y avoir une pierre de téléportation affichée de la Ligue des Guerriers. Non, je m'en moque. Oh la vache, il y en a des indices. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, le bouquin est en lévitation. La lettre de l'Emermil le sage. L'œil du destin. Le destin vous a élu pour prêter assistance, dans une situation périlleuse. Sachez que l'avenir d'au moins deux mondes dépend de nos actions. Le seigneur des secrets, Hermaeus Mora. Ah oui, c'est une sacrée divinité. Oh là là, lui, alors là, il est space, Mora. Le seigneur des secrets, Hermaeus Mora, a vu que seule votre aide permettra de sauver Nirn. Retrouvez-moi à Havre Tempête et je vous en dirai plus sur cette terrible menace. Signé Lemarmil le sage. Oh my God. Vous avez accompli une quête prologue qui ouvre des histoires dans d'autres lieux de Tamriel. Ces quêtes peuvent vous emmener très loin dans ce monde, alors pensez à conclure vos affaires courantes avant de vous y embarquer. Ah, tu m'étonnes. Ah bah oui, c'est ça que je voulais, c'est bien. C'est bien. Oh, cher Tyrwin, comme je me languis de te voir sourire. Que je me languis de visiter ce champignon géant qui a été aménagé en habitation. Surtout. Encore un. Telnaga, c'est parti. Oh! Ah, c'est bien, ils ont chacun leur ambiance. Alors après les discothèques, trois salles, trois ambiances. Les champignons géants. Trois types différents, trois ambiances différentes aussi. Soleil dans l'ombre. Ah, bah c'est la Miss. Oui, je peux vous aider, c'est Ryo. Soleil dans l'ombre, c'est Oki qui m'envoie. Béni soient ses yeux. Oui, je suis Soleil dans l'ombre. Et Oki vous a dit que j'avais un plan pour regagner notre liberté, n'est-ce pas? Il faudra agir avec finesse et discrétion. Je compte sur vous. C'est pas mon point fort. Pour regagner ma liberté, j'ai besoin de l'aide de la Magistère Terrana. La Magistère Terrana? C'est une Magistère qui vient d'être élue à son poste. Elle n'est pas aussi bornée que ses confrères et se souviendra sans doute de ses débuts difficiles. Je sais qu'elle souhaite quelque chose de la part de Zentiraris. J'ai besoin de savoir ce que c'est afin de le lui procurer. Mmh. Oh, je vais manger des restes, Cinéenne. Je vais manger un restant de pizza, une reine. Et je vais finir ma salade de pommes de terre à haron ce midi. Mais il faut que je les finisse parce que sinon ça va périmer. Puis ce soir, je vais sûrement me faire plaisir pour le 31. Je vais me faire un plat simple, mais que j'adore. Je vais me faire mes croque-monsieur au gouda. J'adore ça. C'est simple, c'est super bon, c'est... Et ça m'ira très bien. Par contre, je vais être vilain à l'apéro. Parce que c'est le réveillon, je vais me faire une coupe de saké. Un saké délicieux que m'a offert ma tendre nièce pour mon Noël. Nah. C'est très simple. Alors d'ailleurs, je pourrais peut-être faire dans la rubrique cuisine de mon Discord des photos rapides et un texte. Je ferai peut-être ça d'ailleurs ce soir pendant qu'il y aura la promenade qui passera. Je bosserai sur mon écran secondaire. Du coup, vous verrez rien. Je ne vous troublerai pas dans la diffusion. Mais ce qui est génial avec les croque-monsieur ou gouda, c'est que c'est des tranches prédécoupées. Et du coup, vous n'avez pas à en mettre partout avec le gruyère qui est râpé. Depuis que je fais ça... la jet qui dit alcoolique, hic. Ouais, c'est les fêtes. Sinon, je me fais une mousse que les samedis. C'est déjà pas mal. Tout au long de l'année. Bonjour, la Jed.
Moi, mon fils veut une raclette ce soir. Eh ben, faites-vous une raclette. C'est la saison. Là, pour le coup, c'est la saison. C'est un plat lourd. Alors, comme on est dans la mauvaise saison, autant caler dans le bidon, ça réchauffe. Oui, je me fais plaisir de ouf. Ah oui, oulala. Lulu la sucrée. Et ça va, la Jen? Oh mon dieu. Alors, pardon, on revient un petit peu au jeu avant que je vous mette les clips dans 5 minutes. Je veux juste savoir ce qu'elle a à me dire, la malheureuse esclave. Avez-vous la moindre idée de ce qu'elle cherche, ce qu'elle recherche? Hélas, non. J'ai fait appel à quelques faveurs pour avoir une meilleure idée de ce qu'elle cherche. Mais j'en ai peu appris sur la question. Apparemment, son héros, Eraven Antim, possède un message qui pourrait nous mettre sur la voie. Il me faut cette lettre. Ne me parle pas de mousse à la framboise, la framboise étant mon fruit favori. C'est un scandale, la Jed. Ah, c'est un scandale. Lulu la sucrée, j'ai trop envie de la déguster maintenant. Ta faute. Oh, merci, petit Seb. Ah, coucou, bon 31 à toi. Merci pour le relais de chaîne. Bonjour, Nechevman. Ibi. Bon miam, oui, y a pas de souci. Bon, bonne popote, bon miam. Je vais pas tarder non plus, je vais vous mettre les clips à gogo là. Eh bien, merci tout plein. Alors, vous pouvez regagner votre liberté, soleil dans l'ombre. Oh oui, la maison Talvani a ses défauts, mais elle reste une véritable méritocratie. Message de Finfan, 1992. Bonjour et bienvenue à la communauté de Uptit Seb Live. Il est sorti déjà avant même de savoir passer le balai. Il me manque juste l'appui d'un magistère. Ah, elle a étudié la magie avant de subir sa condition actuelle. Ah, c'est une magicienne dans l'âme, elle. Comment peut-on obtenir le soutien d'un magistère? C'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. J'ai bien l'intention de le lui procurer. Son héros, Eraven Antim, possède une lettre contenant les indices qui nous manquent. Oui, je vois que t'es enthousiaste, Nashelman. Alors, Terana harcèle le conseil afin d'obtenir de l'aide pour récupérer les Yarani des mains de la maison des Redoran. Elle cherche quelque chose dans ce sanctuaire. J'ai bien l'intention de lui la procurer. Son héros, Eraven Antim, possède une lettre contenant les indices qui nous manquent. Voilà, je relis parce qu'il y a eu des alertes et tout le bazar, mais c'est bien, c'est bien. Merci. Alors, je vais essayer de vous les obtenir l'information. Attention dans la maison du conseil, Serra. La maison Telvani n'est pas une simple bête que l'on peut tuer. Ici, la subtilité vous sera plus utile qu'un bouclier. Nous devons jouer le jeu. C'est extraordinaire, les serveurs européens. Parce que là, tout à l'heure, j'ai démarré sur de l'anglais, ensuite j'ai eu de l'allemand, et là, maintenant, on est en espagnol. C'est extraordinaire. C'est cosmopolite, c'est magique. Alors, Naya, tu dis quoi? Avec la tarte au citron, je te préparerai un bon jus de framboise. Ah, arrête! Ah, c'est le buffet des délices! Vous me faites saliver! Ah. Attendez, pardon. Vous m'avez dit comment ce plan vous aidait, mais en quoi est-il et au qui? En vérité, aucunement. Du moins, pas encore. Les plans des Talvani mettent du temps à se développer. Si je demande la libération des Hoki trop tôt, je dévoile mon jeu. Mmh. Et il se trouve dans la position d'une pièce de choix, pouvant être bougée ou sacrifiée au gré des magistères. Donc, vous le protégez en le gardant enchaîné. Est-ce un reproche? Je sais que la situation n'est pas idéale. Écoutez, je tiens beaucoup à Hoki. Il a placé sa confiance en moi. J'espère que vous ferez de même. Oh, c'est le zézotement, on pourrait croire que tu es de la famille de Sophie Safier. Alors comment a fait-vous rencontrer Hoki? Oh, c'était durant une de ses nombreuses tentatives d'évasion. Je nettoyais la vaisselle de Maître Otteri lorsque Hoki a franchi la porte de la cuisine, entraînant ses chaînes derrière lui. Il a ouvert la fenêtre et commencé à passer. Puis, il m'a aperçu. Bon app, Sinéan, merci pour le Matsumara. Et après, que s'est-il passé? Il a hésité, et même souri. On ne voit pas souvent sourire les esclaves des marais.
Certainement pas quand ils sont poursuivis par des chiens de Nyx. Ils l'ont capturé et emprisonné dans la cage sèche. Il m'a dit qu'il était prêt à y rester un an, si cela lui permettait de me revoir un jour. Oh, vous avez l'air plutôt différents tous les deux. Un proverbe d'alchimiste dit « Les réactions les plus puissantes sont provoquées par le mélange d'ingrédients opposés. » C'est exagéré, mais pas tant que cela. Eoki et moi occupons les deux pôles opposés d'une même sphère. Il me permet de garder les pieds sur terre. Je l'aide à éviter les ennuis. Au revoir. Ibi. Lui, c'est un enchanteur. Je file sur sa table d'enchantement. Ah, je dois avoir du nouveau. Ah, j'ai pas Aoko. Je fais ça et puis on s'arrêtera pour tes os. Aujourd'hui, je vous mets la complète d'équipe parce que j'ai faim. Ah, merde, elle est de même forme. Merdoum, attendez. Oh, mais mes nouvelles, elles sont tous de la même forme. Ah, Chiotoum, falloir que je fasse un... Attends, j'en ai trois de développer quelque chose. Et il faut que j'en ai une de rond. Alors là, j'ai la base. Ah, j'ai Jejota souvent. Raffiné. Eh ben, raffinez-moi tout ça. Allez, fabrique. Jour, Haoko, Jejota. Maladie. Ouh, terrible. Glyphe insignifiant, odieux. Et là, après, ça va être glyphe puissant, odieux. Peste. Pandémie. Ah non. Okori, Jejota. Alors, Okori veut dire pouvoir. C'est énorme. Ah oui, c'est MacDerry que j'ai pas. Jour, MacDerry, Jejota. MacDerry veut dire dégâts magiques. Trop bien. Ah bah c'est cool. J'ai découvert trois nouvelles pierres aujourd'hui. Alchimiste. Allez. Oh, ah bah non, forger une... Bah je peux le faire ou pas? Ah il est plus en rouge, attendez, je peux peut-être le faire. Fabriquer une gorgée de santé. Ah. C'est mon défi du jour et après j'arrête. Attendez. Une gorgée de santé. Bah, santé persistante, aile de papillon. Rend la santé une encolie. Ah, effet inconnu. Essayons. Vous avez découvert les traits suivants. Alors, que sonnent les trésors. Accompli, utiliser l'établi d'alchimie, fabriquer une gorgée de santé. Ouais, j'ai réussi. Rend la santé. Ah, c'est cool. C'est cool. Ah là ça réduit la santé. Non ça marche pas. Non ça. Ah là les pines de dragon. Je sais pas ce que ça génère mais. Non ça marchera pas. Marchera pas. Ça marchera. Ah effet inconnu. Ah bah je vais essayer. Je vais découvrir un truc de l'épine de dragon. Rendre la vigueur. Ah bah voilà. En plus, ça me libère une case d'inventaire. Je l'ai consommé et hop. Au moins, c'est pas perdu. Oh, ravage de santé. Consomme instantanément. C'est horrible, tu peux t'empoisonner et mourir comme un caca. Enfin, je pense que t'envoies ça sur l'ennemi, en fait. Oh, sciure glane. Bien, Olive. Bonne prise au niveau de la pêche. Au niveau de la pêche... Non, ça va pas réagir, ça. Ravage santé... Russule, machin... Ah, effet inconnu, essayons. Réduit la santé. Décidément. Oh, c'est horrible, la russule hémétique. Ça réduit la santé, ça réduit la magie. Ça doit réduire la vigueur et ça doit tout réduire. Voilà. C'est affreux. C'est un énorme malus. Ravage de magie. Ah oui, là, tu m'étonnes. Là.
Magie, je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Oh, potion inconnue. Et sinon, réduit la magie. Oh là là là, vous en avez pas marre de réduire la magie, vous? Attends, il y a encore un truc que je connais pas. Copra violet, tu questionnes. Non, ravage chanté. Prout. Reçu une manière. Ravage chanté. Prout. Aide de papillon. Réagira pas. Bon, moi je crois que j'ai fait le tour. Hein. Gorgée de santé pérenne. Rang de santé pendant 4 secondes. Oh, pas mal. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était trop bien. Je vais me poser là. Parce que c'est beau. Voilà. Et paf! Quitter! Prochaine récompense dans 14 heures. Oui, bah dans 14 heures, non. Quitter immédiatement. Vous resterez connecté sur serveur si vous quittez le jeu de force. Ah! Ah, et oui, il est bon de le laisser s'éteindre proprement et couper les sessions réseau proprement. D'accord. Oui, bah là, je suis obligé de faire quelque chose. Ok. Merci de me rendre le contrôle. Parce qu'il y a l'écran noir. Ça évite surtout de quitter pendant un combat. Ah. Ah oui. Oh là là, les bandes de lâches. Aïe. Bon, allez, je vais vous mettre la compile de clip. Je vais basculer en just chatting.